Mesdames et messieurs, chers actionnaires, nous sommes sincèrement très heureux de vous retrouver pour cet événement annuel très important qui est notre Assemblée générale. C'est toujours pour nous une occasion de dialogue constructif et fécond. Sont présents à mes côtés aujourd'hui Monsieur Luca de Meo, le directeur général du groupe, Monsieur Thierry Piéton, directeur financier, Madame Kitrit Pelleport, la directrice juridique. Nous avons également le plaisir d'avoir au premier rang les membres du conseil d'administration, les membres du comité exécutif, les commissaires aux comptes et les deux représentants d'actionnaires qui exerceront les fonctions de scrutateurs. Je vous informe également de la présence d'un huissier de justice. Je vais maintenant vous donner quelques informations de nature juridique pour la tenue de cette assemblée. Je vous rappelle que l'avis de convocation de cette assemblée a été publié au bulletin des annonces légales obligatoires et dans un journal d'annonces légales le 31 mars 2023. Les actionnaires au nominatif, les porteurs de parts de FCPE, ainsi que les commissaires aux comptes ont été convoqués par courrier postal ou électronique. J'en viens maintenant à la composition du bureau de l'Assemblée. En ma qualité de président du conseil d'administration, j'assurerai la présidence de l'Assemblée. Les fonctions de scrutateur seront occupées par l'État français, représenté par M. Victor Cauchois, et la société Amundi, représentée par M. Édouard Dubois. Et la fonction de secrétaire de l'Assemblée par Mme Kitrit Pelleport. Le bureau est ainsi constitué. Tous les documents légaux ont été déposés sur le bureau, conformément aux dispositions légales, et mis à disposition des actionnaires à compter de la convocation de l'Assemblée. Ces pièces sont reconnues régulières par le bureau. La brochure de convocation, comprenant l'ordre du jour et les textes des résolutions, ainsi que la documentation requise pour cette assemblée, ont été mises à disposition sur le site internet de la société. Il m'a été confirmé que l'assemblée réunissant plus du quart des actions composant le capital social ayant le droit de vote peut valablement délibérer tant sur les résolutions à caractère ordinaire que sur celles à caractère extraordinaire, naturellement figurant à l'ordre du jour. La secrétaire de l'Assemblée vous communiquera les chiffres définitifs juste avant de passer au vote des résolutions. Je vous précise aussi que notre assemblée est filmée et retransmise sur le site internet du groupe Renault. Je vais passer dans un instant la parole à Luca de Meo, qui évoquera la transformation de notre groupe et la manière dont Renault agit face aux différentes révolutions de notre industrie. Mais auparavant, j'aimerais partager avec vous quelques propos. J'aimerais tout d'abord commencer par me réjouir des résultats exceptionnels de 2022. D'autant plus exceptionnels qu'ils ont été obtenus dans un contexte de crise prolongée, celle des semi-conducteurs, des difficultés d'approvisionnement, des tensions géopolitiques et même aggravées. Je pense à l'inflation, à la crise de l'énergie et bien sûr à cette terrible guerre en Ukraine. Je voudrais ainsi témoigner toute ma gratitude à Luca de Meo et aux équipes du groupe et les féliciter pour ces résultats et plus généralement pour ces réalisations qui ont dépassé toutes les attentes. Je voudrais aussi vous remercier, chers actionnaires, pour votre soutien constant ces dernières années, alors même que certains observateurs se montraient sceptiques quant à notre capacité de rebond. Le versement d'un dividende, même s'il est encore modeste, est bien le signe tangible de notre reconquête. Il nous permet de regarder l'avenir avec sérénité et volontarisme. Ce qui me frappe avec les réalisations de l'entreprise, c'est qu'elles sont remarquables tant sur le plan quantitatif que qualitatif. Thierry Piéton rappellera dans quelques instants les chiffres qui traduisent l'ampleur de notre performance. Je voudrais pour ma part évoquer l'aspect qualitatif, qui est finalement la manière dont ces résultats ont été atteints. Face à tant de vents contraires venus de tous les horizons, Renault Group a fait preuve d'agilité, de résilience et de solidarité. Il a su s'appuyer sur le socle de sa raison d'être.
qui, comme vous le savez, fait battre le cœur de l'innovation et que l'on retrouve à tous les étages de l'entreprise. Notre raison d'être affirme également que nous croyons au progrès responsable et respectueux de chacun et que nous nous battons pour que la mobilité soit mieux partagée. Nous avons comme idée de créer les conditions d'une transition juste, à la Renault si je puis dire, dans l'ADN de cette entreprise. C'était d'ailleurs le thème des travaux pendant 4 séances de notre comité de la raison d'être, dont les recommandations pour la transition juste ont été présentées ce matin au conseil d'administration. Tout cela nous a permis de travailler dans un environnement serein, malgré la difficulté du contexte. Une preuve parlante, la réussite du plan d'actionnariat salarié qui montre la confiance des équipes dans la stratégie de l'entreprise. Je voudrais dire également un mot de notre gouvernance, que j'aborderai plus en détail au cours de notre assemblée. Toutes ces belles réalisations auraient été impossibles sans la confiance qui existe entre le conseil d'administration et le management. C'est une des raisons pour laquelle j'ai demandé à Luca De Meo de rejoindre notre conseil, décision qui sera soumise tout à l'heure à votre vote. Enfin, comment ne pas évoquer notre alliance? Nombreux étaient celles et ceux qui doutaient de notre capacité à lui redonner un nouvel élan après ces années de crise. Mais après les décisions annoncées en janvier de l'année dernière, nous avions déjà montré notre volonté d'accélérer sur le partage des ressources en matière de plateformes communes, d'électrification, de batteries et d'architecture électronique. L'accord conclu entre Renault, Nissan et Mitsubishi le 6 février dernier va au bout de la logique. Il vise à maximiser la création de valeur pour toutes les parties prenantes de l'Alliance. D'une part, à partir de projets opérationnels, comme ceux qui sont lancés en Amérique latine, en Inde ou en Europe, qu'il s'agisse de pick-up, de nouveaux SUV, de véhicules électriques et même d'économie circulaire. L'accord permet d'autre part davantage d'agilité afin que les partenaires puissent se joindre à de nouvelles initiatives qui renforceront les plans stratégiques des entreprises, notamment Renault Lution et Nissan Ambition 2030. Les domaines de collaboration ouvrent par exemple la possibilité pour Nissan ou Mitsubishi d'investir dans Ampère, l'entité véhicule électrique et logiciel de Renault Group en Europe, mais aussi de devenir des clients de Horse, dans le domaine des technologies, des motorisations thermiques et hybrides à faible émission. Enfin, vous le savez, l'accord repose sur un rééquilibrage des participations croisées et sur une gouvernance renforcée qui donne à l'Alliance un nouvel élan et lui permet ce nouveau départ plein de promesses. Une Alliance revigorée, un groupe redressé, voilà les réalisations concrètes que je suis heureux de partager avec vous. Mais le groupe n'est pas simplement redressé. Il prépare l'avenir avec un coup d'avance. Et l'avenir s'inscrit dans un environnement nouveau, marqué par le début de ce que certains appellent la déglobalisation, qui remet en cause les filières d'approvisionnement et les chaînes logistiques, l'accentuation du basculement économique vers l'Asie. On constate chaque jour la puissance des pays asiatiques dans la chaîne de valeur de la mobilité électrique, ainsi qu'une tension exacerbée entre les grandes puissances militaro-industrielles. Tout cela traduit encore plus d'incertitudes, alors même qu'il nous faut affronter simultanément le défi environnemental, démographique, le défi d'urbanisation, les défis technologiques et éthiques, liés notamment à la manière d'utiliser les nouvelles technologies, comme l'intelligence artificielle. La question qui se pose pour un groupe comme le nôtre, c'est comment affronter l'avenir en étant encore plus fort, plus réactif et plus agile. Vous le savez, Renault Group a décidé de faire évoluer son organisation en étant une fois encore innovant, ce qui lui permet de développer une approche inédite. Luca rappellera dans un instant la philosophie de cette évolution vers un groupe plus ouvert, autour de différents écosystèmes, avec l'appui de différents partenaires, réponse pionnière adaptée aux nouveaux business et aux nouvelles chaînes de valeur.
Mesdames et messieurs les actionnaires, cette Assemblée générale est la cinquième que j'ai l'honneur de présider. 4 années globales, c'est court. Mais c'est le temps qu'il a fallu à notre monde pour changer radicalement de visage. Quoi de commun entre le monde de 2018, avant la crise sanitaire, avant la crise d'approvisionnement, avant l'inflation des matières premières et d'énergie, avant la guerre en Ukraine, et le monde de 2023. Il y a 4 ans, j'avais accepté de prendre la présidence de Renault, dans un contexte compliqué pour cette belle entreprise. En 2019, la priorité était de prendre des mesures d'urgence et d'éviter l'implosion et la faillite de Renault Group et de l'Alliance. En 2020, il fallait résister et reconstruire les fondamentaux à travers notamment le plan stratégique Renaultution bâti par Luca et ses équipes. 2021 marquait déjà notre redressement. Quant à l'année 2022, elle est à la fois un point d'aboutissement, une confirmation de notre rebond, et un départ vers le Renault nouvelle génération automobile et vers une alliance plus concrète et plus offensive. Pendant ces 4 années, les piliers du groupe ont été patiemment construits. Une stratégie tournée vers la valeur des produits et des marques. Le renforcement de l'axe produire en France. Une vision à 360 degrés d'innovation. Une politique de RSE qui fait rimer performance sociale, environnementale et économique. La mise en place d'écosystèmes agiles. La préparation des compétences de demain. Et la définition d'une nouvelle organisation. Ainsi, toutes les décisions que nous prenons s'appuient aujourd'hui sur ces piliers. Et parmi de nombreuses illustrations, certaines réalisations sont franchement symboliques. Il y a un peu plus d'un an, nous avions officialisé avec Valeo notre accord pour développer et produire en France un moteur électrique de nouvelle génération sans faire appel à des terres rares. En avril dernier, nous avons annoncé que notre partenaire Verkor nous réserverait la majeure partie de ses batteries électriques produites dans sa future usine de Dunkerque. Ces décisions illustrent bien l'idée de création de valeur en France, dans le cadre de notre écosystème électricité, qui fait travailler un grand nombre de partenaires, des fleurons de l'industrie, des start-up, en lien avec les acteurs régionaux et les territoires, ce qui permet de réunir toutes les conditions pour être aux avant-postes du défi environnemental et de la mobilité durable. Le 15 décembre dernier, le conseil d'administration a proposé le renouvellement de mon mandat. Tout à l'heure, vous nous prononcerez sur cette proposition. Et si vous l'approuvez, sachez que j'aurai à cœur de continuer à œuvrer pour le groupe pour qu'il achève sa formidable reconquête dans le cadre d'une alliance reconfigurée. Mesdames, Messieurs les actionnaires, je vous remercie pour votre attention et je passe maintenant la parole à Luca De Meo. Mesdames et Messieurs, chers actionnaires, bonjour, bienvenue aussi de ma part. Quand on sort de la tempête et que les choses vont mieux, c'est le moment de dire merci, comme l'a fait Jean-Dominique, à ceux qui sont restés sur le bateau. Aujourd'hui, je crois que le moment est venu de vous dire merci, aussi de la part du management de Renault. Merci pour votre confiance. Merci d'avoir été aux côtés du groupe pendant ces mois et aussi ces années difficiles. Depuis notre dernière rencontre, l'an dernier, je dois dire que le paysage a beaucoup changé. En fait, nous en avons fini, je dirais pour de bon, avec un chapitre noir, peut-être une des crises des plus profondes de l'histoire du groupe. Il faut se rappeler que nous perdions des dizaines de millions chaque semaine en 2020 et 8 milliards pour l'année. Vous vous souvenez que le plan Renaultution comprenait 3 phases, la résurrection, la rénovation et la révolution. Aujourd'hui, il n'y a plus aucun doute, le plan
marche. Les résultats historiques que nous avons annoncés il y a quelques semaines ont confirmé que la première phase, la résurrection, est bel et bien achevée. Avec 5,6% de profitabilité, le groupe a réalisé l'un de ses meilleurs chiffres des 20 dernières années. En 2 ans, nous avons généré plus de 2 milliards de cash. C'est plus qu'au cours des 10 années précédentes. Et comme vous le savez, nous avons fait ça, comme le disait Jean-Dominique, dans un environnement, je dirais, pire que tout ce qu'on a pu voir depuis plusieurs décennies. Je pense d'abord au contexte inflationniste, avec une note salée, 3 milliards d'impact pour le groupe l'année dernière. Il y a eu beaucoup de difficultés sur les chaîne logistique globale. Et puis, évidemment, il y a eu la crise en Russie, où le groupe était très exposé. Et je me rappelle, beaucoup ont dit que ça allait être le coup de grâce pour Renault. Mais en fait, en 6 mois, on a plus que compensé le choc. C'est le signe que le bateau a maintenant la capacité d'avancer même dans la tempête. C'est le résultat d'une mobilisation vraiment admirable des femmes et des hommes du groupe Renault. Et je voudrais dire à nouveau la fierté que j'ai d'être avec eux dans cette aventure depuis maintenant un peu plus de 2 ans et demi. Le résultat de ces efforts, c'est qu'on a pu mettre l'entreprise sur un autre niveau en termes de performance. Hors coût fixe, on a dégagé en 2022 la plus haute marge par véhicule depuis 10 ans. Par rapport à 2020, cette marge a augmenté de 40%. On a poussé le taux d'utilisation de nos usines à presque 100% au premier semestre 2023. Évidemment, on a aussi dû réduire notre capacité dans les années précédentes de 1,2 million d'unités depuis 2019. Enfin, on a divisé le point mort par 2. Et ça, c'est quelque chose que Renault n'avait jamais fait. Je veux être clair. Toutes ces disciplines qu'on a démontrées, on va s'y tenir sur le long terme. Et on va viser encore plus haut. La deuxième phase du plan Renaultution, la rénovation, concerne le produit. Et elle aussi est bien lancée. Je vous assure. Ce qui s'est passé, c'est qu'on a remis le produit au centre de l'entreprise. On a fait, tous ensemble, un énorme travail sur la qualité. On l'a porté à un niveau qui n'avait jamais été mesuré dans cette entreprise. Surtout, on a préparé ce qui va être la meilleure gamme que le groupe ait eue depuis 30 ans. Ce sont 18 lancements qui arrivent en 23, 24 et 25, en 3 ans. Ça va nous donner, je pense, un très gros coup d'accélérateur puisqu'on a réussi à redresser le groupe alors qu'on était dans un cycle produit, je dirais, plutôt faible. Avec Mégane Electric, avec Austral, on a déjà donné un premier aperçu, mais tout ça n'était qu'une entrée en matière. Et le plat de résistance va bientôt arriver. Vous avez certainement déjà en tête la Renault 4, la Renault 5, Scénic, parce que nous en avons déjà parlé aussi aux médias, mais je peux vous dire que vous allez avoir d'autres bonnes surprises dans les mois qui viennent. Ces derniers temps, nous en avons révélé 3. D'abord, le nouveau Jogger. C'est une étape très importante que Dacia franchit vers l'électrification abordable et accessible à tous. Et je voudrais remercier en particulier les équipes de Dacia qui font un travail extraordinaire depuis des années. Et ça s'accélère. On a également révélé le nouveau Espace. C'est un peu la voiture à vivre mise au goût du jour, technologique, avec l'efficience hybride et la connectivité. Et tout dernièrement, il y a la nouvelle Clio.
Je dirais qu'elle prolonge une longue histoire d'amour avec une voiture qui s'est déjà vendue plus de 16 millions de fois. Donc on a remis, je dirais, Renault en marche. Bien sûr, je pense aussi à un nouveau départ que nous avons donné à l'Alliance et dont Jean-Dominique vous a déjà parlé. Aujourd'hui, nous faisons plus que fermer un chapitre. Nous en ouvrons un autre, complètement nouveau. Et ce qui change la donne, c'est que nous avons annoncé en novembre, nous poussons pour faire de Renault une entreprise automobile de prochaine génération. L'idée est simple. Pendant 125 ans, les constructeurs n'ont eu à jouer qu'un seul sport autour de la chaîne de la valeur du thermique. Aujourd'hui, de nouvelles chaînes de valeur poussent sur celle-ci, un peu comme les branches sur le tronc d'un arbre. L'électrique, le software, les nouvelles mobilités, l'économie circulaire. Tout cela, ce sont en fait des nouveaux sports, des sports complètement différents. La chose la plus logique à faire, c'est donc de spécialiser des équipes sur chacun de ces sports plutôt que de laisser tout le monde faire un peu de tout. Il y a un deuxième principe au cœur de notre révolution. C'est le choix d'une approche horizontale écosystémique. Sur des technologies matures et des marchés stables, l'échelle et l'efficience sont le mantra. Je l'ai entendu pendant 30 ans. Qu'est-ce qui se passe quand la technologie devient évolutive et la demande volatile comme aujourd'hui? Alors, il faut centrer tout le système sur l'agilité et la capacité d'innovation pour saisir les opportunités et prendre les virages sans partir dans le décor. L'approche horizontale, c'est justement aussi s'associer avec les meilleurs, avec ceux qui auront une chance de trouver la bonne technologie. On ne va pas déléguer l'innovation, on ne va pas non plus prétendre tout faire nous-mêmes. Ce qu'on fait, c'est de co-développer, de co-créer. Ça permet de nous dérisquer, de partager les investissements et d'exposer nos équipes aux organisations les plus innovantes sur toute la chaîne de la valeur et sur toutes les chaînes de la valeur. C'est ça l'entreprise automobile de prochaine génération. C'est une entreprise dont le modèle de business est centré sur des segments à forte croissance et à forte profitabilité. Et c'est une entreprise qui dépend moins de la chaîne de la valeur classique de l'automobile. C'est pour ça qu'on a créé 4 équipes compactes et agiles dédiées aux nouveaux sports de la mobilité. Ce sont Ampère, Alpine, Mobilize and the Future is Neutral. Et bien sûr, on n'oublie pas notre métier traditionnel avec notamment Ors, qui va être un leader de la fourniture de groupes moteurs thermiques et aussi avec Power. Grâce à la montée en puissance de sa gamme de produits, Power, qui est notre activité traditionnelle, va assurer des résultats très positifs et en croissance dans les prochaines années. Et il faut le dire très clairement, à côté de cette logique de spécialisation, le groupe doit rester un groupe. La structure corporate, plus légère et simplifiée, garde une mission d'orientation stratégique, de support, mais aussi de coordination des différents business. L'entreprise automobile de prochaine génération, c'est aussi une entreprise ouverte. Le réseau de partenariats, Jean-Dominique en a cité un ou deux, que nous avons mis en place avec notre approche horizontale sur l'ensemble de la chaîne de la valeur, en fait, est unique. On parle de plus de 20 partenariats conclus depuis 2020 et nous n'allons pas en rester là, je vous assure. Le groupe travaille désormais en collaboration étroite avec les meilleurs dans tous les domaines. Le but de tout cela, c'est de remettre Renault dans les conditions d'aspirer à un leadership dans beaucoup de domaines. Jusqu'ici, on avait été obligé de jouer un jeu de résilience. À partir de maintenant, on va chercher le podium. On fait le choix de l'audace et de l'innovation parce que les transformations à marche forcée que connaît l'industrie de l'automobile sont, à notre avis, une opportunité unique. Pour celui
qui saura bien négocier ses virages, c'est l'opportunité de reprendre la tête du peloton. Et depuis 6 mois, je vous assure, on avance très très vite. D'abord, Ors prend forme. On a nommé son équipe de management il y a quelques semaines. On a pu annoncer qu'Aramco, après Gili, rejoignait l'aventure. Ça donne encore plus de crédibilité à toute l'histoire. On a créé les entités légales nécessaires dans chacun des 7 pays où Ors sera présent. Et on sera prêt pour démarrer les opérations dans les prochains mois. Du côté Ampère, notre champion dans l'électrique et le software, on a nommé l'équipe en charge du projet. On est aussi en train d'explorer la possibilité d'associer d'autres investisseurs stratégiques en plus de Qualcomm. On envisage une possible ouverture du capital et on aura un Capital Market Day dans les prochains mois. Du côté Mobilize, on avance vers un renforcement de nos activités dans le monde du leasing. Et on veut aussi étendre notre couverture de la chaîne de la valeur en développant les offres de services autour de l'énergie. Il y a aussi The Future is Neutral. Là, notre ambition, c'est de couvrir l'ensemble de la chaîne de la valeur de l'économie circulaire. Nous générons aujourd'hui déjà 840 millions d'euros de chiffre d'affaires à travers Indra, Gaïa et Buncomeor. Et la prochaine étape, c'est d'investir le recyclage des batteries. Nous avons déjà un partenariat en préparation et les discussions sur l'ouverture du capital avec des investisseurs stratégiques vont en ce moment dans la bonne direction. Enfin, le projet Alpine aussi avance vite. Du côté du produit, la nouvelle gamme est en plein développement après la 110R et la révélation de la 290 bêta il y a 2 jours. Alpine révélera 2 nouveaux modèles dans les 2 prochaines années. L'horizon, c'est d'avoir 6 modèles et une gamme 100% électrique en 2027. Et pour entrer sur le marché US et peut-être même en Chine, on prépare 2 véhicules sur les segments des plus grandes voitures. D'ici la fin de l'année, on devrait être en mesure d'annoncer de nouveaux partenariats pour donner un coup de fouet supplémentaire à l'expansion internationale d'Alpine et on est en train de passer en revue de potentiels investisseurs. Au niveau du groupe, donc la structure corporate, nous créons un jumeau digital de toute l'entreprise. Nous sommes en fait les premiers à faire ça. Concrètement, on développe à travers des partenariats stratégiques 6 plateformes digitales. Elles vont nous permettre de gérer les grands process de l'entreprise. Par exemple, avec Dassault Systèmes, on numérise complètement le développement produit à partir de la plateforme 3D Experience. Ça représente 200 millions de gains par an à partir de 2026. On fait la même chose pour la finance avec SAP Forana, avec un gain de productivité attendu de 200 millions d'euros par an. Et on le fait aussi pour l'après-vente avec Tekion ou encore pour l'industrie et la logistique end-to-end avec Google. Le partenariat avec Google va contribuer à la réduction de 30% de la consommation énergétique que l'on vise dans nos usines à l'horizon 2025. Et ces 6 plateformes, on les connecte entre elles. L'objectif, c'est de casser les silos, d'harmoniser la data pour qu'elle circule de manière, je dirais, fluide partout dans le groupe, et c'est de gagner en vitesse de décision, en productivité et aussi en simplicité. À la pointe de cette digitalisation très poussée de l'entreprise, il y a aussi des perspectives incroyables d'application de l'intelligence artificielle pour décupler la capacité d'anticipation et d'adaptation du groupe dans un environnement qui est plus évolutif que jamais. Enfin, nous sommes en train de faire de Renault le constructeur le plus engagé pour que la mobilité future soit portée par une innovation juste, qui n'oublie ni l'environnement, ni nos clients, ni nos salariés. L'an passé,
Nous sommes arrivés deuxième dans le classement de l'industrie automobile par l'agence de notation Vigeo Eiris Moody's. En termes de décarbonation, je suis particulièrement fier aujourd'hui de vous dire que le groupe Renault a réussi quelque chose que personne d'autre n'a réussi dans notre secteur. Nous avons réduit de 25% l'empreinte globale du groupe entre 2010 et 2022. C'est le résultat de plus d'une décennie d'investissement et de travail, de dur travail. Et ça nous place en bonne voie, je pense, pour atteindre la neutralité carbone en 2040 en Europe et d'ici 2050 à l'échelle mondiale. La transformation du groupe accélère le mouvement parce qu'elle crée des champions de la décarbonation sur tout le cycle de vie. Par exemple, avec The Future is Neutral, qui nous aide à accélérer le taux de matière recyclée dans nos véhicules. Par exemple, avec Ampère, qui aura une industrie neutre en carbone à l'horizon 2025. Ou par exemple, avec Mobilize, qui est là pour innover sur l'usage des batteries en deuxième cycle. Du côté de l'inclusion, Renault University développe un programme de transformation des compétences vers les métiers de la nouvelle chaîne de la valeur, de la mobilité, qui est, je pense, unique en Europe. Et nous étendons ce programme au-delà du groupe. On parle de 20 000 personnes, dont 15 000 salariés du groupe à former entre 2021 jusqu'à 2025 en cybersécurité, dans le software, dans l'électrification du véhicule et dans l'économie circulaire. Enfin, troisième pilier de notre stratégie ESG, la sécurité. Détecter, guider, agir, secourir sont les maîtres mots. C'est Mégane E-Tech qui est, je dirais, notre fer de lance avec son régulateur de vitesse adaptif intelligent, avec sa sécurité batterie dédiée aux véhicules électriques et enfin avec le Rescue Code développé en partenariat avec les pompiers de 17 pays. Et Austral monte d'un cran avec un assistant éco-conduite prédictif, tandis que la future Scénic embarquera notre concept du Safety Score. Et à présent, je vous propose de voir ces images sur le plan climat qui est au cœur de notre stratégie ESG. Renault Group est engagé dans un plan climat ambitieux pour construire l'entreprise automobile de prochaine génération. Notre ambition, viser la neutralité carbone en 2040 en Europe et d'ici 2050 dans le monde. Notre objectif, proposer une mobilité plus durable, sûre et accessible à tous. Notre plan est clair, transformer notre industrie tout en minimisant notre impact sur le climat et les ressources. Nous agissons à chaque étape du cycle de vie du véhicule, conception, fabrication, usage, fin de vie. Du berceau au berceau, parce que la voiture doit devenir notre première ressource pour les matières recyclées. Aérodynamisme, matériaux recyclés, durabilité des matières, frugalité, tout commence dès la conception pour limiter l'impact. Une conception qui nous pousse à innover dans la production des composants. Avec toute notre chaîne d'approvisionnement qui s'engage pour une meilleure traçabilité. Avec tous nos partenaires qui nous permettent d'accélérer dans la fabrication des batteries pour qu'elles soient plus performantes, bas carbone et réutilisables d'ici 2030. Et avec une chaîne logistique plus efficiente pour diminuer nos émissions de CO2 liées au transport de pièces et de véhicules. Un plan qui s'applique aussi à nos processus de fabrication, notamment grâce à nos usines qui ont pour objectif la neutralité carbone en Europe. Un plan pensé pour que 100% de nos nouveaux véhicules particuliers soient électrifiés d'ici 2030 en Europe, où les technologies hybrides, hydrogène ou GPL seront déployées sur l'ensemble de nos marques et où nous mettrons tout en œuvre pour devenir le leader européen de la mobilité hydrogène et de son écosystème pour les véhicules utilitaires légers. Mais penser à une mobilité plus durable, c'est aussi prolonger la durée de vie des véhicules et augmenter leur taux d'utilisation grâce à la mobilité partagée, au reconditionnement, au rétrofit et aux futures technologies embarquées. Enfin, nous renforçons notre leadership dans l'économie circulaire pour faire entrer le recyclage dans une nouvelle ère, de l'automobile vers l'automobile.
Vous l'aurez compris, chez Renault Group, le climat fait partie du plan pour créer de la valeur durablement, répondre aux enjeux actuels et penser une innovation juste au service de toutes et de tous. Maintenant, l'heure est à l'exécution de la transformation du groupe. Le défi, je pense, il est colossal, mais les équipes de Renault sont portées par une confiance et par une envie que ceux qui ont dû surmonter une crise existentielle savent aller chercher. Et surtout, mettre sur pied un nouveau modèle d'entreprise automobile est le type de défi que l'on ne rencontre qu'une fois par génération. Je dois vous dire que ce qui me fait le plus plaisir au quotidien, c'est de sentir la fierté que les gens de Renault ont retrouvée pour leur entreprise. Aussi, parce qu'ils voient que le regard qu'on porte sur elles a changé. D'ailleurs, ils sont, comme on l'anticipait au début, 40 000 à avoir acheté des actions lors du plan d'actionnariat salarié qu'on a lancé en novembre. On voit dans les enquêtes qu'on fait que la confiance dans le management a grimpé de presque 30% depuis 2020. C'est bien le signe que quelque chose s'est passé. Renault a recommencé à croire en Renault. Et avec ça, je pense qu'on peut aller très très loin. Tout à l'heure, mesdames et messieurs, les actionnaires, je solliciterai votre confiance pour rejoindre le conseil d'administration, mais je veux d'emblée vous remercier encore pour la confiance que vous nous avez accordée tous ces mois. Aujourd'hui, le retour du dividende est le résultat de tout ce travail collectif que nous avons fait. Et nous sommes, je peux vous assurer, bien décidés à ne pas nous arrêter là. Et maintenant, je voudrais passer la parole à Thierry Piéton, notre cher directeur financier. Pas très cher, en fait. Merci Lucas, bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureux d'être avec vous aujourd'hui pour commenter les résultats financiers de 2022. Avant d'aborder brièvement l'évolution des ventes et l'actualité des premiers mois de 2023. Jean-Dominique et Lucas l'ont évoqué, 2022 a été une année de grands défis pour le secteur automobile dans son ensemble, qui s'est vu impacté par l'inflation, la poursuite de la crise des semi-conducteurs ou encore les difficultés sur les chaînes logistiques. Pour Renault Group plus particulièrement, nous avons également dû mettre en œuvre la cession de nos activités en Russie dans des délais très courts. Dans ce contexte, le groupe a su faire preuve d'une extrême résilience et a enregistré des niveaux de profitabilité et de génération de trésorerie supérieurs à nos perspectives financières et supérieurs aux attentes du marché. Je développerai ces aspects dans quelques instants. Avant de commenter la performance financière, je souhaite rappeler que la cession de nos activités en Russie a significativement impacté nos états financiers en 2022. Je ne commenterai pas en détail les chiffres présentés à l'écran, mais il me paraît important de rappeler que le résultat net des activités abandonnées a entraîné une perte non cash de 2,3 milliards d'euros, comptabilisée à la fin du premier semestre de 2022. Pour permettre une comparaison à périmètre constant, les chiffres 2021 que vous verrez dans cette présentation ont été retraités afin de représenter une base comparable hors Russie. Comme vous pourrez le voir dans la suite de cette présentation, notre performance de 2022 a plus que compensé l'impact lié à la Russie. Peu d'observateurs auraient misé sur cette hypothèse il y a encore quelques mois. En 2022, Renault Group a vendu 2,1 millions de véhicules en baisse de 5,9% par rapport à 2021. Il est important cependant de noter que les ventes du groupe sur le segment C ont progressé de 23% sur la période en Europe, atteignant plus de 420 000 unités. Celles-ci représentent 39% des ventes à fin 2022, confirmant le succès de notre offensive sur ce segment très rentable, à la fois pour les marques Renault et Dacia. La marque Renault, plus exposée à la pénurie de semi-conducteurs,
a vendu 1,4 million de véhicules en 2022, en repli de 9,4%. La marque a cependant progressé de manière significative en Europe sur les segments à forte valeur ajoutée, les véhicules électrifiés, les ventes à particuliers et le segment C, notamment grâce au succès de Mégane E-Tech et d'Arkana. Dacia est l'une des rares marques automobiles grand public à avoir connu une croissance en Europe en 2022, avec plus de 570 000 véhicules vendus, en progression de près de 7% sur la période. Ce résultat prouve une nouvelle fois le succès du positionnement de la marque, avec un rapport prix-prestation unique sur le marché. Dacia a bénéficié du lancement de 4 nouveaux modèles en 16 mois, Sandero, Spring et Duster en 2021, puis Jogger en 2022, chacun ayant contribué au développement de la marque sur l'exercice 2022. Alpine a atteint un niveau record de vente avec plus de 3 500 véhicules vendus, en croissance de 33% par rapport à 2021. La marque a été notamment portée par le succès d'édition limitée de l'iconique Alpine A110. Enfin, notre carnet de commandes à fin 2022 a atteint des niveaux records à 3,5 mois. Le chiffre d'affaires du groupe a augmenté de 11,4% en 2022 par rapport à 2021, atteignant 46,4 milliards d'euros. À taux de change constant, il a augmenté de 12,4% et a ainsi plus que compensé l'impact lié à la cession de nos activités russes. Le chiffre d'affaires de l'automobile a augmenté de 11,4% pour atteindre 43,1 milliards d'euros. En 2022, il a principalement bénéficié, premièrement, d'un effet prix de près de 10 points, directement lié à la poursuite de notre politique commerciale axée sur la valeur plutôt que sur les volumes, à des hausses de prix pour compenser l'inflation des coûts, ainsi qu'à l'optimisation des remises commerciales. Et deuxièmement, d'un effet mix produit pour environ 3 points liés à l'offensive des marques Renault et Dacia sur le segment C. La contribution des services de mobilité s'est élevée à 35 millions d'euros pour l'ensemble de l'année 2022, contre 24 millions l'année précédente. Et notre captive financière, Mobilize Financial Services, a généré 3,2 milliards d'euros de revenus, en hausse de plus de 10%. Ceci s'explique principalement par la hausse des taux d'intérêt et du montant moyen financé par véhicule. Je vous propose de nous intéresser maintenant à la marge opérationnelle du groupe. Celle-ci a plus que doublé en 2022 et s'est élevée à 2,6 milliards d'euros, soit 5,6% du chiffre d'affaires, en hausse de 2,8 points par rapport à 2021. La marge atteint 4,7% au premier semestre et s'est encore améliorée au second semestre, atteignant 6,4%. Comme déjà évoqué, la politique commerciale mise en œuvre, ainsi que l'offensive produit, ont permis aux effets prix, mix et enrichissement et à la productivité de plus que compenser la hausse des coûts de matières premières et des coûts dans leur ensemble. La marge opérationnelle de l'automobile a été positive à hauteur de 1,4 milliard d'euros, soit 3,3% du chiffre d'affaires automobile. Notre activité de financement, Mobilize Financial Services, a contribué à hauteur de 1,2 milliard d'euros à la marge opérationnelle du groupe, soit la plus forte marge en valeur absolue jamais réalisée. Cela prouve une nouvelle fois la valeur de cette activité pour le groupe. Le graphique d'évolution de notre marge opérationnelle parle de lui-même et démontre une fois de plus les bénéfices de notre plan de transformation sur la profitabilité du groupe. Les niveaux présentés sont encore inférieurs à certains de nos concurrents, mais ce n'est que le début et nous poursuivrons dans cette voie pour atteindre nos ambitions. Je vais maintenant poursuivre l'analyse du compte de résultat. Les autres produits et charges d'exploitation se sont élevés à moins 0,4 milliards d'euros contre moins 0,3 milliards d'euros un an plus tôt. Les dépréciations d'actifs et les coûts de restructuration sont restés stables par rapport à 2021. Ils ont été partiellement compensés par des cessions d'actifs pour 202 millions d'euros qui, comme l'année dernière, concerne principalement la vente de filiales commerciales du groupe, de certaines de nos succursales Renault Retail Group et de biens immobiliers. Le résultat financier a représenté une charge de 486 millions d'euros en 2022
contre 295 millions en 2021, principalement sous l'effet de l'hyperinflation en Argentine. La contribution des entreprises associées aux résultats du groupe s'est élevée à 423 millions en 2022, en légère baisse par rapport à 2021. Nissan a contribué à hauteur de 526 millions d'euros, contre 380 en 2021. La contribution des autres entreprises associées est négative de 103 millions d'euros, à comparer à un impact positif de 135 millions en 2021. Cette dégradation s'explique principalement par la dépréciation des titres Renault-Nissan Bank en Russie. Les impôts ont représenté une charge de 533 millions d'euros contre 571 millions en 2021. L'augmentation liée à l'amélioration du résultat avant impôts a été plus que compensée par la variation d'éléments exceptionnels d'une année sur l'autre. Enfin, le résultat net des activités poursuivies du groupe s'est élevé à 1,6 milliard d'euros, soit près de trois fois le niveau atteint pour l'ensemble de l'année 2021. Et comme évoqué au début de cette présentation, le résultat net des activités abandonnées s'est élevé à moins 2,3 milliards d'euros. En 2022, le groupe a généré un free cash flow opérationnel de l'automobile record à 2,1 milliards d'euros contre 1,3 milliard en 2021. Cette réalisation s'explique principalement par l'amélioration significative de la marge automobile, par le dividende versé par Mobilize Financial Services et par des cessions d'actifs réalisées sur l'exercice. Il s'agit du niveau le plus élevé enregistré au cours des 17 dernières années. Cette performance est d'autant plus remarquable puisqu'elle a été réalisée avec seulement 2,1 millions de véhicules vendus sur l'exercice. L'amélioration significative de notre niveau de free cash flow opérationnel nous a également permis de revenir à une position financière nette de l'automobile positive. Elle atteint 549 millions d'euros en amélioration de 1,6 milliard. En tant que directeur financier, je peux vous assurer qu'il s'agit d'un jalon important pour le groupe. J'aimerais maintenant commenter les réserves de liquidité de l'automobile. Celles-ci sont restées à un niveau très confortable en 2022, s'élevant à 17,7 milliards d'euros. Nous avons réalisé deux émissions obligataires sur le marché japonais à des conditions très compétitives. Nous y avons notamment procédé à la toute première émission à destination d'investisseurs particuliers du groupe pour 1,4 milliard d'euros, soit la deuxième plus importante émission jamais réalisée sur ce marché par un émetteur hors institution financière. Un mot sur les prêts bénéficiant d'une garantie de l'État français. Le groupe Renault a remboursé par anticipation 1 milliard d'euros au premier semestre 2022 en complément du remboursement annuel réalisé au second semestre. À la date de cette assemblée, le solde des prêts garantis par l'État français ne s'élève plus qu'à 330 millions qui seront remboursés avant la fin de l'année. Nous avons annoncé en novembre dernier, notre volonté de rétablir le versement d'un dividende en 2023. Nous soumettrons donc aujourd'hui à votre approbation le versement d'un dividende de 25 centimes par action au titre de l'exercice 2022. Notre politique est claire. Nous souhaitons augmenter de manière progressive ce dividende avec l'objectif à moyen terme d'atteindre un taux de distribution de 35% du résultat net par du groupe lorsque nous aurons atteint notre priorité, qui est de revenir à une notation investment grade. Passons, si vous le voulez bien, à l'année 2023 afin d'évoquer l'évolution des ventes du groupe sur le premier trimestre. Le groupe a immatriculé 535 000 véhicules au cours du premier trimestre de 2023, soit une augmentation de plus de 14% par rapport au premier trimestre de 2022, retraité des volumes de Renault Russie et d'Avtovaz. En Europe en particulier, les ventes ont progressé de 27% sur un marché en hausse de 16%. La marque Renault a vendu 355 000 véhicules en hausse de près de 9%, tandis que Dacia a enregistré une croissance exceptionnelle de ses ventes de plus de 34% avec 172 000 véhicules vendus. Le chiffre d'affaires du groupe a augmenté de près de 30% sur le premier trimestre 2023 à 11,5 milliards d'euros. À taux de change constant, il est en hausse de 32,5%. Ces chiffres illustrent l'attention constante que nous portons à la valeur, à la discipline en matière de prix et de canaux de distribution. Naturellement, cette approche est désormais soutenue de manière croissante
par le succès de nos nouveaux modèles évoqués par Luca. Le carnet de commandes du groupe reste à des niveaux records en valeur absolue. Il s'élève à 3,3 mois de vente à la fin du mois de mars. Pour terminer cette présentation, je souhaiterais partager avec vous nos perspectives financières. Nous conservons des hypothèses de croissance modérée pour le marché européen et de stabilité pour les marchés hors Europe. Nous confirmons nos perspectives financières pour 2023 avec une marge opérationnelle du groupe supérieure ou égale à 6% et un free cash flow opérationnel de l'automobile supérieur ou égal à 2 milliards d'euros. Les résultats du premier trimestre renforcent notre confiance et notre détermination à atteindre nos objectifs financiers cette année, mais également à moyen terme. Je vous remercie pour votre attention. Je vais maintenant inviter M. Loïc Wallard de la société Mazars à venir présenter un résumé des rapports du Collège des commissaires aux comptes. Merci. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, bonjour. Je vais vous présenter, au nom du Collège des commissaires aux comptes, une synthèse des rapports établis à votre attention. Ces rapports ont été tenus à votre disposition et sont repris intégralement dans la brochure de convocation de cette Assemblée générale. Pour l'exercice 2022, nous avons émis 5 rapports qui portent sur les comptes annuels, les comptes consolidés, la rémunération des titres participatifs, les conventions réglementées et enfin un rapport sur une opération relative au capital social. Dans notre premier rapport, nous certifions sans réserve les comptes annuels de l'exercice 2022. Par ailleurs, conformément à la réglementation, nous avons développé dans nos rapports d'opinion les points clés de l'audit des comptes annuels et des comptes consolidés de Renault. Concernant les comptes annuels, il s'agit de l'évaluation des titres de participation. Nous certifions également sans réserve les comptes consolidés 2022 du groupe Renault. Les points clés de l'audit portés à votre attention au titre de ces comptes consolidés sont au nombre de 4. Le premier concerne la valeur recouvrable des actifs du secteur automobile. Le second porte sur la méthode de comptabilisation et la valeur recouvrable de l'investissement de Renault dans Nissan. Le troisième concerne le calcul des pertes attendues sur les créances de financement des ventes. Et enfin, le dernier concerne le traitement en activité abandonnée des cessions du groupe Renault en Fédération de Russie. Pour chacun de ces points, nous avons revu les méthodes comptables appliquées et nous nous sommes assurés du caractère raisonnable des estimations effectuées par Renault. Au titre de l'Assemblée générale ordinaire, nous avons émis 2 autres rapports. Le premier rapport porte sur les titres participatifs. Nous y attestons la conformité des éléments de calcul de la rémunération variable de ces titres avec les termes du contrat d'émission. Nous y attestons également les éléments chiffrés tirés des comptes consolidés du groupe. Le deuxième rapport porte sur les conventions réglementées. Il décrit les caractéristiques et les modalités essentielles des conventions dont nous avons été avisés entre votre société et ses mandataires sociaux ou entre votre société et des sociétés ayant des administrateurs communs. Nous n'avons été avisés d'aucune convention autorisée par votre conseil d'administration au cours de l'exercice écoulé qui serait à soumettre à votre approbation à l'occasion de la présente Assemblée générale. Les conventions déjà approuvées par votre Assemblée générale et dont l'exécution s'est poursuivie au cours de l'exercice 2022 sont rappelées dans notre rapport. Enfin,
au titre de la partie extraordinaire de votre Assemblée générale, nous avons émis un rapport spécial concernant une résolution susceptible d'affecter votre capital social. Cette opération s'inscrit dans les conditions prévues par le Code de commerce. Notre rapport ne comporte pas de remarques ou d'observations particulières apportées à votre attention. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Monsieur Vallard, pour cette présentation concise, mais néanmoins précise. Mesdames et Messieurs, chers actionnaires, dans les périodes difficiles et de profondes transformations, vous le savez, la gouvernance est clé. C'est même d'ailleurs le socle qui permet de travailler dans la confiance. Et sans confiance, rien de solide ne peut se construire. Sans confiance, la vision à long terme laisse forcément la place à une gestion au jour le jour. Et sans confiance, aucune performance durable n'est possible. Cette confiance sereine et complice a accompagné notre travail l'année dernière, et plus généralement depuis 4 ans. C'est pourquoi je voudrais prendre cette occasion pour remercier les membres du conseil d'administration devant moi pour leur engagement sans faille et leur état d'esprit toujours positif, toujours constructif. Je voudrais aussi souligner cette même confiance qui existe entre le conseil d'administration et le management, chacun dans son rôle, mais avec un seul même objectif, le progrès et la réussite du groupe Renault. Nous travaillons en proximité, en grande transparence et avec grande simplicité. Ce qui nous a permis d'avancer beaucoup plus vite que certains observateurs parmi les plus optimistes ne l'auraient imaginé. Je voudrais aussi me féliciter de la présence de Blue Cademeo à nos conseils invités permanents, à nos réunions. Luca lui a apporté un appui très précieux et c'est pourquoi, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai souhaité qu'il nous rejoigne. Je vais maintenant passer la parole à M. Pierre Fleuriot, qui en tant qu'administrateur référent apporte au conseil ainsi qu'à moi-même une aide très précieuse et qui en tant que président du comité de la gouvernance et des rémunérations va maintenant vous présenter le bilan des travaux du conseil d'administration et les politiques de rémunération des mandataires sociaux. Je passe la parole à Pierre. Mesdames, Messieurs, chers actionnaires, il me revient le plaisir de vous rendre compte de l'activité de votre conseil d'administration, de vous présenter les éléments de rémunération des mandataires sociaux et de vous confirmer nos ambitions en matière d'actionnariat salarié. Commençons par l'activité du conseil d'administration. 2 mots me viennent à l'esprit, intensité et assiduité. Intensité, 12 réunions du Conseil dans le courant de l'année, contre 9 l'année dernière, 17 réunions de comité. Assiduité, plus de 95% de taux d'assiduité à l'ensemble de ces réunions du Conseil d'administration et des comités. Une sélection des principaux thèmes abordés pour illustrer l'intensité de ce travail. Le premier choisit la cession des activités en Russie. À titre d'exemple, le conseil d'administration s'est réuni dès le 24 février 2022 afin de mesurer les conséquences pour les salariés et pour nos activités de la situation en Ukraine. Pendant toute cette période, les semaines qui ont suivi, de nombreuses réunions avec le management ont permis de suivre la situation et les négociations qui ont conduit par l'annonce le 11 mai 2022, approuvée par le conseil d'administration, de la sortie de nos activités en Russie. Deuxième exemple, l'Alliance. Le conseil d'administration a ainsi suivi dans tout le courant de l'année 2022, jusqu'à l'annonce du nouvel accord signé
le 6 février 2023 les discussions avec Nissan et Mitsubishi pour fonder les nouvelles bases de l'Alliance. Ces discussions ont conduit également à des réunions communes entre les membres du conseil d'administration de Renault, de Nissan et de Mitsubishi. D'abord au mois de janvier 2022 en visioconférence, mais aussi physiquement au mois de novembre avec le déplacement de l'ensemble du conseil d'administration de Renault au Japon. Troisième exemple, séminaire stratégique. Le principe d'un séminaire stratégique a été posé afin de suivre, bien évidemment, et d'accompagner tous nos développements stratégiques. Ce type de séminaire s'accompagne de visites sur place. Ainsi, nous avons été à Douai pour regarder l'usine électrique, un élément fondamental de l'électricité. Nous sommes aussi allés au technocentre, non seulement pour admirer les modèles qui sont derrière vous, mais ceux que vous n'avez pas encore vus, mais que vous verrez un jour. Et donc, séminaire stratégique, visite sur place. Forte implication dans toute la stratégie ESG et bien entendu, revue des sujets récurrents sur la gouvernance, les rémunérations et les finances du groupe. C'est dire combien le chemin parcouru avec le conseil d'administration de Renault a été incroyable. Composition du conseil d'administration. Deux renouvellements, une entrée et une sortie. Deux renouvellements, Jean-Dominique Senard, c'est la sixième résolution soumise à votre vote, et donc le comité de gouvernance et le conseil d'administration de Renault appuient chaleureusement le renouvellement du mandat de Jean-Dominique Senard, qui sera, si vous le renouvelez en tant qu'administrateur, nommé également, renommé en tant que président. Annette Vinclair, qui préside le comité de la stratégie du développement durable, est également soumis au titre de la septième résolution à votre vote pour son renouvellement, qu'également le comité de gouvernance et le conseil d'administration appuient chaleureusement. Une entrée, quand je dis une entrée, il est déjà là, Luca De Meo, mais en tant qu'administrateur, que là aussi, le conseil d'administration et le comité de gouvernance appuient chaleureusement. Et un départ, Frédéric Mazzella, compte tenu de l'évolution de ses engagements et de ses fonctions, cher Frédéric, nous quitte à l'issue de cette Assemblée générale. Enfin, nous quitte, mais on sait qu'il nous reste très proche et disponible. Nouveaux engagements et notamment le lancement réussi de sa nouvelle aventure entrepreneuriale Captain Cause, qui l'amène donc à quitter nos conseils d'administration et l'ensemble de conseils le remercie chaleureusement pour toute l'aide qu'il nous a, les appuis et les conseils qu'il nous a donnés et qu'il continuera de nous donner. Donc, au terme de ces votes, 6e, 7e et 8e résolution, l'image suivante vous donne la composition du conseil d'administration de Renault après cette Assemblée générale. Le nombre de membres ne change pas, sa composition un peu. Nous retrouvons donc 16 administrateurs, 4 représentants des salariés, 2 représentants de l'État, 2 représentants de Nissan, 6 administrateurs indépendants, 1 président du conseil indépendant et Luca De Meo en tant que directeur général. En termes de pourcentage, nous retrouvons un taux d'indépendance de 5, un peu plus supérieur à 58% et un taux de féminisation proche de 42%. Donc voici l'image du conseil d'administration qui est soumis à votre vote. Je vais passer maintenant à la seconde partie pour vous présenter les éléments de rémunération des mandataires sociaux qui correspondent aux résolutions 9 à 14 soumises à vos votes. Commençons par le président du conseil d'administration. Au titre de sa rémunération 2022, 450 000 euros de rémunération fixe, sans aucun autre ajout de rémunération variable ou à long terme, de quelque nature que ce soit. 2023,
Le slide change peu, comme vous pouvez le voir. Donc toujours 450 000 euros, sans aucun autre avantage financier de rémunération particulier. Il s'agit donc des résolutions 10 et 12 que, bien entendu, le comité de gouvernance et des rémunérations et le conseil d'administration soutient en faveur de votre vote. Sujet suivant, rémunération donc de notre directeur général au titre de l'année 2022. Donc, on retrouve les éléments traditionnels de rémunération fixe, 1,3 million, les éléments de rémunération variable plafonnés à 150% de rémunération fixe, 1,950 million, dès lors que l'ensemble des critères de performance ont été atteints, ce qui est le cas, nous allons le voir dans un instant. Vous savez que ces actions sont acquises sous condition je parle des actions de performance après, pardonnez-moi. Donc, rémunération variable à 1,950, volet suivant, 75 000 actions de performance qui, elles, sont attribuées suite à votre vote et sont soumises à des conditions de performance sur 3 ans. Et enfin, plan de co-investissement créé l'année dernière et qui permet aux cadres dirigeants d'investir dans des actions Renault pour un maximum de 25% de leur rémunération fixe et variable. Notre directeur général a investi à peu près 300 000 euros en achetant 8 629 actions. Et dès lors que les conditions de performance sont satisfaites aussi sur une période de 3 ans, le nombre d'actions achetées dans le cadre du co-investissement est doublé. Voilà les caractéristiques donc, de la rémunération de Luca De Meo au titre de l'année 2022, telles que vous les avez approuvées l'année dernière et qui ont été mises en œuvre cette année. Sur la page suivante, vous avez donc les critères de performance qui avaient été définis pour la rémunération variable de Luca De Meo au titre de l'année 2022, qui combine à la fois des critères quantitatifs et des critères qualitatifs. Les critères quantitatifs pour 90% et les critères qualitatifs pour 60%, puisque le total est donc de 150% de rémunération variable par rapport au fixe. Donc, vous retrouvez ces pourcentages qui avaient été ceux approuvés l'année dernière et qui donc ont été mesurés par votre conseil d'administration qui a donc constaté la réalisation de l'ensemble de ces objectifs. Nous continuons par le slide suivant qui définit maintenant la rémunération de Luca De Meo pour l'année 2023. En fait, elle est la même dans ses caractéristiques avec un ajout. Elle est la même dans ses caractéristiques, c'est-à-dire une rémunération fixe d'1,3 million, une rémunération variable à hauteur de 150% de ce 1,3 million, donc 1,950 000 soumis à des conditions de performance, des actions de performance, 75 000, et un plan de co-investissement plafonné à 25% de sa rémunération fixe et variable. Quel est l'ajout de cette année? Il s'agit d'un ajout de 30% au plan d'action de performance. Cet ajout de 30% est conditionné par la réalisation effective du plan de transformation au cours de l'année 2023, qui sera constaté donc à la fin de cette année. Et ce complément de 30%, il est soit en action Renault, et dans ce cas-là, ça serait 22 500 actions Renault en complément des 75 000 actions Renault faisant partie du plan d'action de performance classique, soit dans l'hypothèse où l'introduction en bourse d'Ampère se réalise d'ici la fin de l'année, M. Luca De Meo sera susceptible donc de recevoir, dans l'hypothèse où on considère que la stratégie était bien exécutée dans l'année 2023, des actions Ampère pour la même valeur que les 22 500 actions Renault. Les critères de performance qui seront applicables à ces actions de performance sur 3 ans, s'il s'agit d'actions Renault qui sont remises, les 22 500 seront les mêmes que ceux des 75 000 actions Renault, et s'il s'agit d'actions Ampère qui se substituent à ces 22 500 actions Renault, ce seront des critères de performance d'Ampère qui ont déjà été définis, le revenu net, le cash flow et le Total Shareholder Return, et qui seront appréciés
à la fin de l'année au regard de cette performance. Donc 2023 identique à 2022 avec un ajout de ce 30% qui n'est pas limité à Lucas de Méo, mais qui s'adresse, s'applique à l'ensemble des cadres d'Ampère et de Renault qui sont impliqués dans le succès de la transformation de ce plan stratégique. Nous continuons, nous voyons là les critères de rémunération, de succès de rémunération pour la partie variable. Nous retrouvons les mêmes critères avec un seul changement. Non, il n'y a aucun changement ici. Les mêmes critères que ceux de l'année dernière, avec une pondération entre les critères financiers 90% et les critères stratégiques et de développement durable pour 60%. Vous voyez d'ailleurs que le développement durable compte pour 40%. Donc, application traditionnelle de ces critères. Sur la page suivante, vous avez les autres critères de performance qui s'appliquent au plan d'action de performance et au co-investissement. Là, un seul changement qui est le deuxième critère, position nette financière automobile, qui est auparavant le cash flow. Et donc, on a pris, comme les grands investisseurs, les gros investisseurs n'aiment pas qu'on utilise le même critère pour deux indicateurs de performance. On a donc remplacé le free cash flow par la position nette financière de l'automobile, mais qui est à peu près la même chose. Donc, on retrouve ces critères et leur pondération, sans surprise. Ce qui nous permet d'aller à la page suivante. Voilà, qui décrit, là également, j'ai envie de dire sans surprise, parce que c'est exactement les mêmes indications que l'année dernière et que l'année d'avant, depuis le contrat d'arrivée de Lucas, les indemnités de départ, l'engagement de nos concurrences, la retraite supplémentaire, donc rien de nouveau en la matière. Nous pouvons donc ainsi passer à la page suivante, ou au sujet suivant, qui est donc la rémunération de vos administrateurs. Celle-ci, d'ailleurs, n'est pas modifiée par rapport à l'année dernière, comporte une partie fixe en tant que membre du conseil, membre de comité, une part variable qui est celle qui dépend du taux d'assiduité, qui arrive à un total individuel maximum théorique en fonction d'un taux d'assiduité de 100% que vous avez sur la troisième colonne. Un élément fixe forfaitaire pour la présidence d'un comité et une part fixe supplémentaire pour votre administrateur référent. L'ensemble des rémunérations qui ont ainsi été versées aux administrateurs autour de l'année 2022 représente un montant de 1 133 750 euros, qui est donc sensiblement inférieur au budget qui avait été alloué à cette rémunération d'1,5 million. Il s'agit donc de l'année 2022. Nous allons passer à l'année 2023, qui est identique à l'année 2022 pour l'ensemble de ses composantes et qui est soumis à votre vote au titre de la 14e résolution. Il m'appartient maintenant de terminer par nos ambitions en matière d'actionnariat salarié. Vous savez que c'est une action qui a été engagée ou accélérée l'année dernière avec un programme comprenant deux éléments. La distribution gratuite, le versement gratuit d'actions à l'ensemble des salariés, 6 actions par salarié, et un deuxième programme qui permet aux salariés d'acheter des actions Renault avec une décote de 30%, et pour les deux premières actions Renault achetées, la première et la seconde, un abondement de 3, pour chacune d'entre elles, de 3 actions supplémentaires. Donc 6 gratuites et 6 aussi gratuite, on peut dire, en abondement des deux premières actions Renault achetées. 95 000 salariés de Renault ont ainsi bénéficié de ces 6 actions gratuites et 40 000 ont procédé à l'achat d'actions avec des cotes et ont donc bénéficié de l'abondement, ce qui fait que l'actionnariat salarié est passé de 3,8% à 4,7%, ce qui confirme notre objectif que j'avais annoncé l'année dernière d'arriver à 10% d'actionnariat salarié en 2030, le projet étant donc de reconduire exactement le même programme que celui-ci en 2023, et dans l'hypothèse où le complément de 30%
liée du plan d'action de performance, liée à la mise en œuvre effective de la stratégie Renault cette année en faveur des cadres dirigeants, un effort équivalent ou un geste équivalent sera accordé à l'ensemble des salariés Renault. Voilà. Je vous remercie de votre attention et je redonne la parole au président. Merci mille fois, Pierre, pour cette présentation et pour cet art consommé de présenter simplement des questions complexes. Je crois que c'est extrêmement appréciable. Alors, chers actionnaires, nous allons maintenant passer à un moment très important de notre assemblée, que vous attendez autant que nous, d'ailleurs. C'est celui de l'échange que nous sommes heureux de pouvoir organiser cette année en présentiel. Avant de débuter nos échanges, je vous informe que les réponses aux questions écrites qui nous ont été adressées par courrier, par certains actionnaires, figurent sur notre site internet. Alors, Kitrit Pelleport va vous exposer quelques consignes pour le bon déroulement de nos échanges. Afin de permettre au plus grand nombre d'entre vous de s'exprimer, nous vous remercions de bien vouloir formuler des questions directes et courtes d'une minute maximum. Nous vous demandons de rester assis à votre place et de vous signaler, en levant la main, si vous souhaitez poser une question. Des hôtes et hôtesses viendront alors avec un micro et vous indiqueront lorsque vous pourrez vous exprimer. Je repasse maintenant la parole à Monsieur le Président pour cette séance de questions-réponses. Merci, Kitri. Alors, avant de vous donner la parole pour votre première question, je voudrais rappeler que le comité consultatif des actionnaires et la journée des actionnaires constituent des espaces d'échange importants. Alors, au cours de cette journée, nous avons pu, avec Luca De Meo, discuter de l'activité du groupe et avoir un dialogue direct avec un certain nombre d'actionnaires. J'espère, pour ma part, que ces rencontres avec les actionnaires pourront se multiplier et je souhaite qu'elles continuent d'être animées, comme cela a été au cours de cette journée, avec une visite de site. Je vous propose d'ailleurs de regarder quelques images qui ont été tournées justement à l'occasion de cette journée des actionnaires. Bonjour à toutes et à tous. On est vraiment ravis de vous avoir et les relations que nous pouvons avoir extraordinairement, ouvertes et transparentes sont toujours une richesse. Vous êtes, avec les collaborateurs de Renault, les deux grands piliers structurants de Renault. Nous le ressentons au quotidien. Ça me fait très plaisir parce que je sais que vous êtes très proche de nous et il y a beaucoup d'entre vous qui sont des passionnés d'automobile. Donc il faut nourrir cette tradition entre nous, Jean qui aimons l'automobile. Au vu des éléments qui nous ont été donnés, on ne peut qu'être confiant dans la stratégie, surtout dans l'évolution de la révolution qu'on vit actuellement dans l'automobile. On part sur une nouvelle feuille de route avec de nouveaux produits, des nouvelles technologies, une nouvelle façon de penser l'automobile. Ce qui va vraiment changer la donne, c'est la métamorphose de Renault en entreprise automobile de nouvelle génération. Évidemment, on est très motivés. J'ai autour de moi une équipe très très forte. Très solidaire. L'entreprise automobile de nouvelle génération, c'est un modèle beaucoup plus agile qui permet de s'adapter aux nouvelles tendances du marché. La transformation du groupe telle qu'elle a été pensée par M. Demeo et ses équipes apporte beaucoup de lisibilité sur les différentes activités du groupe et je pense que ça peut être qu'une démarche positive qui va apporter un vent de renouveau. On voit les résultats de la Renaultution, on voit la résurrection de Renault, des marques et notamment de la marque Alpine. Nous avons rencontré des collaborateurs très engagés, passionnés, extrêmement compétents sur leur métier. C'est extrêmement enthousiasmant. Nous sommes tous émerveillés par la capacité de rebond et extrêmement confiants pour l'avenir. Je ressens la fierté des équipes de Renault partout où l'on va dans le groupe. Je ressens même la fierté des regards dans la rue. Ça nous fait du bien. C'est une journée, je crois, très réussie. Alors, pour lancer nos débats, je vous propose de commencer par une question d'un membre de notre comité consultatif des actionnaires. Nous prendrons ensuite des questions dans la salle et des questions qui nous ont été adressées via le chat sur notre site internet. Puisque nous avons souhaité conserver ce moyen de communication qu'on avait mis en place, rappelez-vous, lors de nos assemblées à huis clos, pour les actionnaires qui suivent cette assemblée à distance. Mesdames et messieurs, bonjour. On a bien compris la stratégie d'organisation, et on l'admire d'ailleurs. On a bien compris l'originalité de la stratégie électrique. Moi, j'ai une question. Pourquoi tant d'efforts sur les e-carburants ?
Voilà une question d'actualité dont je propose de donner la parole à Luca pour qu'il donne les premiers éléments de réponse. C'est un thème assez, en fait, assez large. J'espère d'être très, comment dire, très court dans la réponse. Nous, soit au niveau de Renault, soit au niveau de l'Association des constructeurs européens, on considère que c'est important que le régulateur nous dise où ils veulent qu'on arrive, mais pas comment. Il faut laisser à la créativité des ingénieurs de trouver les solutions. Donc, si l'ennemi, c'est le CO2 par exemple, il nous faut trouver le moyen à droite, à gauche, du haut, du bas pour y arriver. Et il y a un débat assez dominant qui dirait qu'il n'y a que l'électrique qui peut trouver la solution à ça. Donc moi, personnellement, mais beaucoup de mes collègues, aussi au-delà de Renault, pensent que le fait qu'on ait ouvert au débat de l'e-fuel nous donne une chance de respecter ce principe de neutralité technologique. On ne sait pas exactement comment ça va marcher, si ça va marcher, si ça va rester confiné à des marques de luxe comme Ferrari ou Porsche, parce qu'un kilo de e-fuel ou un litre de e-fuel, ça va coûter 20 euros. On a le temps pour essayer de trouver des solutions. C'est ça qui est important. Il faut savoir qu'une des choses où Renault se positionne, je dirais différemment par rapport à d'autres, et aussi de manière plus ambitieuse, c'est que nous, on est en train de réfléchir à tout le thème de la décarbonation avec l'idée de regarder le problème du berceau à la tombe et pas que du réservoir à la roue. Parce que toutes les réglementations sont faites seulement en regardant cette fenêtre-là. Et quand on regarde tout le cycle, il y a beaucoup de cas où les voitures à combustion, peut-être avec des nouveaux carburants, en fait, le bilan écologique pourrait être meilleur que celui d'une voiture électrique dans certaines utilisations pour certains cas. Ça, c'est un thème. Et donc, on regarde la vérité, on regarde tout. Et je pense que le débat sur le e-fuel, sur les biocarburants, sur les carburants à bas carbone qu'on pourrait inventer, je pense qu'il est totalement justifié. L'autre chose qu'il ne faut pas oublier, c'est que toutes les réglementations parlent des produits de nouvelle génération, les produits qui vont arriver. Mais on oublie que sur la planète, il y a plus de 2 milliards de véhicules qui tournent avec des moteurs à combustion. Donc si on veut réduire vraiment l'impact tout de suite, il faut s'occuper de ça. Et une façon de le faire, c'est justement d'inventer des nouveaux carburants à donner à ces moteurs qui tournent dans tous les pays du monde, de l'Inde à la Chine, à l'Amérique latine. Donc je pense que moi, je suis plutôt content que cette opportunité soit ouverte au niveau réglementaire. Je retiens de la réponse, en tous les cas, qu'il faut se garder d'avoir des opinions définitives, en tous les cas de les exprimer trop fermement aujourd'hui, puisqu'on sait que la recherche et la technologie peuvent nous faire des progrès considérables et que dans quelques temps, peut-être quelques petites années, les réponses qu'aujourd'hui certaines personnes donnent de façon définitive seront totalement inversées. Alors, je dirais, si je peux ajouter, c'est que ça n'empêche pas que Renault est vraiment concentré sur l'idée de devenir un leader dans la mobilité électrique, ça c'est clair. Donc vous savez que ce qu'on est en train de faire, c'est de mettre en condition la marque Renault d'être 100% électrique déjà 2030. Alpine va complètement sur l'électrique, peut-être un peu d'hydrogène. Mais on a besoin de jouer sur plusieurs tables parce qu'il faut toujours avoir, comme dans un Grand Prix de Formule 1, un plan A, un plan B, un plan C, s'il pleut, s'il y a un accident. S'il y a une safety car. Donc, je pense qu'on en est un peu dans cette démarche. Mais le projet principal, c'est de vraiment devenir un leader dans la mobilité électrique. Très bien. Alors, nous avons une question qui arrive en ligne, là, qui est la suivante. Et qu'envisagez-vous en termes de nouvelles synergies avec Nissan et Mitsubishi? La question est posée par M. Jean-Luc Baudelot. Je vais juste commencer la réponse et puis peut-être Luca, évidemment, complétera. Clair que lorsqu'on évoquait tout à l'heure, l'un et l'autre, d'ailleurs, cette nouvelle ère de l'Alliance, suite de l'accord qui a été publié en février,
on a en tête un nouvel élan opérationnel qui est en fait à l'origine même de l'accord. Il n'y aurait pas eu d'accord s'il n'y avait pas entre Nissan, Mitsubishi et Renault une volonté manifeste et claire de lancer des projets industriels majeurs à travers le monde. Et donc les grandes synergies sont des synergies opérationnelles, bien entendu, dans les différents grands pays du monde où nous sommes. On pense à l'Europe, évidemment, l'Amérique latine, l'Inde, comme de trois grands exemples dans lesquels nous savons que nous allons créer beaucoup de valeur. On vous l'a dit d'ailleurs publiquement il n'y a pas si longtemps que ça. Au-delà, il est évident que les projets Ampère et Horse ne sont pas totalement indifférents dans ce paysage. Et que nous le savons, il est vraisemblable que donc, Nissan et Mitsubishi nous rejoignent dans Ampère et que de toute façon, ils seront clients de Horse. Cela fait beaucoup de synergies opérationnelles. Et peut-être, Luca, tu voudrais être plus complet que moi sur cet aspect. Tu as déjà beaucoup dit, mais je pense qu'il faut voir les choses pour aller droit au but. C'est que les accords qu'on a faits, c'est un accord qui est à trois niveaux. Et ça commence, à la base de tout ça, il y a au moins une dizaine de projets sur lesquels on a trouvé un intérêt commun de travailler. Et c'est des projets très très concrets qui potentiellement pourraient générer des centaines de millions, voire des milliards si on est bon, parce qu'il n'y a pas tout qui réussit, par an, pour chacune des entreprises, en création de valeur. Là, je n'ai pas utilisé un mot qui a été très abusé dans le passé, les synergies. Il y a un peu tout. Il y a des synergies de la création de la valeur, des opportunités en plus, etc. Donc, il faut bien avoir en tête que l'accord qu'on a créé en février réactive d'un point de vue business la relation entre Renault, Nissan et Mitsubishi à un niveau qu'on ne voyait pas depuis des années. Ça c'est le premier thème. Au deuxième niveau, comme disait le président, c'est évidemment d'un côté pour nous l'opportunité de créer Horse avec d'autres partenaires, parce que c'est urgent pour nous, étant une entreprise européenne qui est confrontée à une réglementation qui arrive plus vite et qui est plus sévère et qui nous pousse vers l'électrique. Mais de l'autre côté, la possibilité de travailler avec Nissan et Mitsubishi sur Ampère. Et le troisième niveau, c'est en gros un, disons, potentiel rebalancing. Mais l'esprit, c'est de revenir à une situation, une relation entre deux entreprises qui est tout à fait normale. Et cette normalité va nous amener de la sérénité, en fait, et va nous permettre tous les jours de pouvoir travailler sur des projets. Ça avance plutôt bien. C'est-à-dire, on en travaille, on a déjà fait des belles choses avec Mitsubishi, on leur a proposé des produits pour l'Europe. Nissan a annoncé qu'il allait construire un produit à Douai électrique avec nous. On fait des choses en Inde où on va être plus précis dans les prochains mois, mais les choses avancent en Amérique latine. Donc, je pense que d'un point de vue opérationnel, ça nous amènera beaucoup et c'est la chose la plus importante. On est là pour faire avec Nissan du business. Ça, c'est la priorité. On ne veut pas faire de la politique, on ne veut pas faire on veut faire du business. C'est une approche très pragmatique. Et j'espère qu'eux aussi, ils veulent en faire avec nous parce qu'on leur donnera des possibilités. Oui, c'est clair. Et puis tout le monde a bien compris ici que Un des points centraux de cet accord, c'est l'élimination des frustrations qu'il pouvait y avoir éventuellement de part et d'autre, qui donnait toujours une teinte un peu, je dirais, de froideur dans les rapports, y compris les froideurs opérationnelles. Et donc, aujourd'hui, ceci est derrière nous. Et comme l'a dit Luca, on est vraiment parti sur un potentiel formidable. Alors, je veux regarder la salle pour les questions qui pourraient être posées. Je vois le numéro 5. Monsieur, je vous en prie. Je dois me lever. Bonjour, monsieur et mesdames. Je suis actionnaire individuel depuis plusieurs décennies des deux groupes automobiles français, plusieurs centaines de titres dans chacun que j'ai acheté cash. On ne m'a pas donné d'action gratuite, ni abondé, ni quoi que ce soit. Je les ai payés. Je suis en perte dans les deux cas, et sans parler de l'actualisation. Je me souviens avoir été choqué en 2018 par la rémunération du président
directeur général de l'époque. 5 millions d'euros entre le fixe et le variable, plus 100 000 actions gratuites, dites de performance. Ça faisait à 100 euros l'action, 10 millions qui s'ajoutaient aux 5 millions de salaire fixe variable, 15 millions au total. Mais l'action cotait 100 euros. Elle cotait également 100 euros, j'arrondis pour faire simple, du temps de M. Louis Schweitzer, quand on a acquis la grande participation qui était un succès de Nissan, 44% environ. Bon. Aujourd'hui, vous réduisez à 15% pour équilibrer, très bien. Je comprends que les Japonais étaient vexés d'être peu présents dans le capital de Renault, alors que Renault était pratiquement à moitié dans le leur. Ceci étant, une grande part des résultats bénéficiaires de Renault provenait de Nissan. Alors, je vois qu'aujourd'hui, les bonnes habitudes ont repris, puisqu'on attribuera au directeur général, qui est très sympathique, j'aime beaucoup l'Italie, mais le salaire, c'est toujours 3 millions entre le fixe, 3 millions et demi, 3 fixes et variables, et 75 000 actions gratuites. Autrefois, c'était des fameux stock options, qui étaient déjà choquants, parce que les stock options, les options d'achat, on les exerce, on ne les exerce pas. Si le cours de l'action a baissé, évidemment, l'attributaire des stock options ne les exerce pas. Il n'a rien perdu, rien gagné, rien perdu. L'investisseur individuel que je suis, comme beaucoup de gens ici dans cette salle, quand ils achètent leurs actions, ils les payent. Quand l'action baisse, ils perdent du capital. Et s'ils réalisent la vente de leurs titres pour une raison ou pour une autre, ils réalisent, ils concrétisent la perte. C'est ce que j'ai dû faire à certaines fois, reportable 10 ans, à la fin, on perd de l'argent. Donc, je suis quand même surpris de l'attribution des 75 000 actions gratuites, dites de performance. Le cours de l'action, je ne l'ai pas regardé, car je regarde ça maintenant de loin, c'est environ 30 euros. On est donc au tiers de ce que cotait l'action Renault dans les années 2000, du temps de M. Schweitzer et du passage du relais à M. Carlos Ghosn. Je veux dire que son second, le numéro 2 de Renault de l'époque, il s'appelait aussi Carlos quelque chose, aujourd'hui à la tête du deuxième groupe automobile concurrent, hein, PSA, Stellantis pour ne pas le nommer, reçoit je crois 23 millions d'euros, il n'y a pas de raison de s'arrêter. Alors simplement, je me demande pourquoi de surcroît, au-delà des 75 000 actions gratuites, M. Luca De Meo qui a acheté 8629 actions, si j'ai bonne mémoire, et c'est très bien, on lui abonde de 8629 actions. Moi, quand j'achète des actions, on ne me les abonde pas. Je les paye et j'espère un jour avoir de la plus-value. Ça n'a pas été le cas depuis 3 décennies, ni avec l'un ni avec l'autre des deux groupes automobiles. Alors, ma question est la suivante. Je vois que ces messieurs du conseil d'administration sont allés faire un joli voyage au Japon. Ont-ils voyagé en classe économique? Merci de votre réponse. Oh, écoutez, je vais vous répondre et sans aucun problème. Je vais être clair avec vous, nous avons voyagé au Japon, effectivement. Il arrive d'ailleurs que les gens de Nissan viennent nous rendre visite. Nous avons voyagé en classe business. Bon, voilà, voilà. Ce sont des longs voyages, ils durent 15 heures maintenant parce qu'il faut contourner la Russie. Vous comprendrez aisément que les équipes qui nous accompagnent ont des emplois du temps extraordinairement chargés. Je ne vais pas excuser quoi que ce soit ici, c'est tout à fait normal. Nous ne voyageons que comme cela, en avion de ligne. J'en ai pris autre moyen que l'avion de ligne depuis que je suis nommé président de Renault. Bon, quant à la question du cours de l'action, je ne veux pas vous dire aujourd'hui que nous sommes enthousiastes de son niveau. Ça serait quand même un petit peu fanfaron. Je rappelle quand même qu'il y a quelques petites semaines, le cours tournait autour de 43 euros. Et que s'il y a une évolution un peu brutale ces derniers jours, le directeur financier pourrait confirmer ça, c'est certainement pas dû à Renault en tant que tel, mais certainement, comme vous le savez, au contexte économique général et à des perspectives économiques, et puis aussi peut-être par certains mouvements que d'autres compétiteurs ont pu faire dans le marché qui ont envoyé des messages singuliers. Ça n'a rien à voir avec la performance de Renault qui, comme vous le voyez, s'améliore en permanence. Je suis absolument certain que le marché le reconnaîtra très bientôt. Cela dit, c'est vrai qu'à une époque, il était à 100 euros. Simplement, quand je suis arrivé dans le groupe, le cours était déjà en train de descendre sérieusement et j'ai eu la lourde tâche de montrer la réalité des comptes de Renault en 2020, lorsque nous avons sorti une perte de 8 milliards d'euros, qui était probablement la perte la plus lourde de l'histoire du groupe,
mais qui avait eu le mérite au moins de mettre la vérité sur la table. Alors le cours s'est ajusté, il est en train maintenant de résister, il remontera, je vous en supplie, croyez bien, soyez patient. Quant au salaire du directeur général, je ferai ici l'interprète du Conseil pour dire que nous considérons qu'il est non seulement mérité, mais qu'en plus il est extraordinairement modéré, si je puis me permettre, des comparaisons internationales, même françaises, si je peux dire. Et que dans ce cadre-là, ce que vous appelez des actions gratuites ne sont pas gratuites, monsieur. Ce sont des actions qui sont attribuées, mais sous des conditions de performance sur 3 ans, qui sont extrêmement, extrêmement ambitieuses. Et que si, d'aventure, pour le groupe, toutes ces conditions étaient réalisées, je vous assure que pas une personne dans cette salle ne se plaindrait de la performance du groupe et du résultat et de son impact sur l'action. Donc je crois qu'il faut quand même qu'on regarde ça avec sérénité. Vous n'imaginez pas à quel point, en tant que président du Conseil, je suis sensible aux questions de modération. Mais en revanche, je crois qu'il faut être honnête. Et on a un directeur général qui est probablement un des meilleurs dans la profession. Et quand je me suis mis d'accord avec lui pour qu'il nous rejoigne, je savais que nous allions avoir auprès de nous quelqu'un qui allait mener une équipe vers le grand succès. Et nous sommes en train de le voir. Par conséquent, je vous demande là-dessus un peu d'indulgence. Si vous faites quelques comparaisons, et vous les avez faites d'ailleurs, vous verrez que je pense que Renault est très raisonnable. Et en tous les cas, dans son train de vie, et le président, et le directeur général, et les membres du Conseil font preuve d'une très grande modération. Voilà ce que je voudrais vous dire là-dessus. Et je vous remercie en tous les cas de votre question. Merci beaucoup. Alors, je vois la question... Alors, si vous le voulez bien, je vais changer un peu de côté et puis nous reviendrons là tout à l'heure. Donc, le numéro 3. Merci. Je le tiens. Ça me gêne. Baissez votre doume. Merci. Oui, Monsieur le Président, bonjour. De Soulanges pour l'APAI, l'Association pour le patrimoine et l'actionnariat individuel. Vous avez choisi cette salle qui est une très belle salle dans laquelle habituellement se produisent à la fois des lumières et des sons. Nous avons les lumières. Envisagez-vous l'année prochaine de nous fournir les sons de ces beaux modèles? Ma question en vient au fait qu'une entreprise, nous l'avons bien compris, ne se résume pas à des chiffres, même si c'est important pour le marché. Et elle est composée d'hommes et de femmes. Est-ce que vous pourriez nous dire la façon dont vous manœuvrez à la fois pour attirer, mais également pour retenir les talents dont vous avez éminemment besoin pour conduire ce groupe? Et ma deuxième question, tu peux prendre. On apprécie beaucoup un groupe industriel français japonais. Vous avez fait un travail considérable au niveau de la gouvernance. Les fonctions sont séparées entre la présidence et la direction générale, même si le directeur général, et nous apprécions qu'il rejoigne le conseil d'administration, vous avez un administrateur référent. Que faites-vous réellement pour attirer les investisseurs institutionnels anglo-saxons? Et je précise anglo-saxons. Alors, je crois que pour cette question, peut-être, Luca, tu voudras parler... Sur la activité des talents? Oui, absolument. On va commencer par toi. Mais bon, là, François pourrait répondre beaucoup mieux que moi. François, voilà. Roger, qui est le directeur du personnel. Mais je pense que... Bon, Renault, c'est une entreprise glorieuse. Moi, je me rappelle quand Jean-Dominique m'avait appelé. Moi, j'avais commencé il y a trop longtemps chez Renault, et j'ai toujours gardé une image assez positive d'entreprise pour la culture de cette entreprise et pour l'histoire. Donc, en général, je pense qu'on reste parmi les entreprises plus attractives en France, et le secteur de l'automobile, quoi qu'on en dise, est un secteur assez attractif pour beaucoup de catégories de personnes.
Je pense que les gens, ils veulent voir une histoire claire, un projet, et ils regardent la dynamique de l'entreprise et s'il y a du potentiel, évidemment. Et quand je suis arrivé il y a 2 ans et demi, on était vraiment dans le trou, non, tous ensemble. Et moi, j'entendais tout le temps, même par les collaborateurs de Renault, qui disaient tout le monde est en train de partir, tout le monde va de l'autre côté, etc. Je pense, la sensation que j'ai, c'est que c'est plutôt le contraire maintenant. C'est-à-dire que ce qu'on est en train de faire, évidemment, le succès attire un peu le succès, attire les gens, et il faut continuer. Donc, si on veut avoir du talent, il faut faire, voilà, il faut faire de la performance. Un angle qui est important pour nous, qui, je pense, s'inscrit parfaitement dans l'histoire, dans la tradition de Renault, c'est ce côté, maintenant ils appellent ça ESG, mais en fait ce côté social, ce côté attention à la communauté, à l'intégration, à l'environnement, etc. Et je pense que, en fait, pour une entreprise comme Renault, c'est une grande opportunité de se positionner, parce que notamment les nouvelles générations, un peu tout le monde, mais les nouvelles générations sont extrêmement sensibles à la qualité éthique, à l'attention sociale que les entreprises ont. Et je pense que c'est dans l'ADN de Renault. Et c'est pour ça qu'on pousse. C'est pour ça qu'on le met au centre de notre stratégie de business. On n'en fait pas une brochure pour la présentation des résultats ou à l'Assemblée générale. On a mis ça au milieu du dispositif parce qu'on est convaincu que ça va être une des choses qui va faire l'avantage compétitif de Renault, même sur le marché du travail. Et là, pour la petite histoire, je n'ai peut-être jamais dit, mais en 1990, j'ai fait ma mémoire de fin d'études, 91. J'ai fait la première mémoire de fin d'études sur l'éthique du business. C'était, il n'y avait rien, même en Europe, c'était un truc assez... Pas très amusant, de philosophie morale, il n'y avait pas de matériel. Mais en fait, mon concept, très basique à l'époque, c'est qu'il y a une corrélation entre la valeur et la compétitivité d'une entreprise et sa qualité éthique et morale. Et donc, ça fait longtemps que je crois à ça et je me sens bien chez Renault avec Jean-Dominique parce que je pense et avec l'équipe parce que je pense qu'on partage tous un certain type de vision qui va attirer les gens. Et notamment les nouvelles générations. C'est absolument, tu mérites ça. Je peux simplement compléter le propos de Luca pour lui dire que c'est entre autres à cause de sa conception du management de l'entreprise et de sa volonté de donner à la fois de la reconnaissance et de l'autonomie. Ce sont des concepts que nous partageons clairement. Ça a été un des éléments qui a motivé en particulier ma recommandation au conseil de recruter Lucas dans l'équipe. Et je crois que c'était, je l'ai dit au départ, c'était un des critères majeurs pour moi. Donc voilà, je crois répondre à votre question. Alors votre autre question, c'est sur les investisseurs. Alors là, le directeur financier pourrait être encore mieux placé que moi pour répondre, il va le faire. Nous n'avons pas, je vous le dis tout de suite, beaucoup de difficultés à attirer des investisseurs anglo-saxons. Je dirais même qu'en ce moment, c'est plutôt particulier. Le seul commentaire que je pourrais faire ici, et je laisserai le directeur financier commenter, c'est que je serais assez content aussi si les investisseurs français s'intéressaient encore plus à Renault. Voilà, bon, écoutez, une fois que j'ai dit ça, monsieur le directeur financier, je vous en prie. Merci Jean-Dominique. Effectivement, il y a déjà une partie assez significative de notre pool d'investisseurs qui sont les investisseurs anglo-saxons, notamment enfin, anglais et américains d'abord. Donc en fait, quelles sont leurs préoccupations spécifiques? D'abord, comme tous les investisseurs, ils veulent de la performance. Et donc vous avez pu voir dans les chiffres que la performance commence à venir. Ils ont des attentes qui sont à la fois sur le court terme et sur le long terme. Donc ils veulent avoir de la clarté sur la stratégie du groupe. C'est une des raisons pour laquelle on avait fait un événement assez significatif en novembre lorsque nous avons fait le Capital Market Day. Les investisseurs anglo-saxons que nous voulons attirer, je dirais en premier, sont plutôt ceux qui ont une stratégie à long terme d'association avec Renault. Et donc on met en œuvre de grands efforts pour essayer d'expliquer comment le groupe va évoluer.
et de les convaincre que la performance que vous voyez maintenant, qui est en amélioration, va continuer à s'améliorer avec une évolution structurelle du groupe à l'avenir. Ils sont également très intéressés par les aspects ESG. Donc on développe fortement notre communication sur tous ces éléments-là, notamment sur la gouvernance. Et ils sont très contents de voir l'évolution qui a été mise en place au sein du groupe au cours des dernières années. Et donc, à partir de ces attentes, eh ben, notre rôle, c'est de communiquer très clairement ce que nous faisons. Donc il y a une partie de cette communication qui se fait, je dirais, par les événements réguliers comme les publications trimestrielles, semestrielles, etc. Par ailleurs, nous menons un plan de communication très actif. Pour vous donner un ordre de grandeur, l'année dernière, nous avons rencontré près de 2000 investisseurs dans l'année en participant à des colloques, en participant à des conférences sur le secteur automobile en particulier, en ayant des roadshows aux États-Unis. Typiquement, on va avec l'équipe relations investisseurs qui est là devant et avec Luca ainsi qu'avec un certain nombre de membres de la direction aux États-Unis de façon assez régulière et à Londres de façon très régulière pour rencontrer ces investisseurs, expliquer le travail que nous avons déjà accompli et celui qui est devant nous pour leur donner de la visibilité. Voilà, mais c'est quelque chose qui fonctionne bien, parce que comme l'a dit Jean-Dominique, si on regarde la composition de notre actionnariat sur les derniers mois, on voit plutôt une progression des investisseurs anglo-saxons et parfois, malheureusement, pas la même progression du côté des investisseurs français. Donc on aura à cœur aussi de résoudre cette problématique. Voilà, je crois que vous avez les éléments. J'ajouterai simplement que au-delà de toutes ces visites que l'équipe financière et Luca rendent aux investisseurs mondiaux, votre président et l'administrateur référent rencontrent tous les ans et régulièrement de nombreux investisseurs pour des thèmes de gouvernance. Et cette intensité est en train d'augmenter, je dirais, de ce point de vue-là. Donc sachez que, voilà, on est vraiment sur le terrain. Je vais continuer mon mouvement et je vais prendre le panneau numéro 4. Si vous voulez bien poser votre question. Oui, bonjour. Je vous remercie de prendre ma question. J'ai juste une question concernant le rachat d'actions. Vous avez dit que ce n'est pas pour restituer les bénéfices aux actionnaires. Et puis, j'aimerais savoir pourquoi vous ne faites pas pour cela. Après, vous avez mentionné que c'est pour votre plan d'actionnariat salarié. Mais le volume de rachat dépasse largement ce besoin. Ainsi, je voudrais savoir pourquoi vous avez fait autant de rachats au cours des dernières décennies, s'il vous plaît. Merci. Thierry, vous pouvez peut-être prendre le point. Bien sûr, merci pour la question. Donc en fait, aujourd'hui, pourquoi on ne fait pas de rachat d'actions au bénéfice simple des actionnaires? Pour la simple raison qu'on a passé des périodes difficiles financièrement. À tel point que l'endettement financier net de l'automobile était négatif. La solidité financière du groupe pendant cette période a été questionnée. Les agences de rating ont baissé la notation du groupe, ce qui veut dire que c'est plus difficile pour nous d'emprunter, par exemple, ou qu'on emprunte à des niveaux qui sont plus chers. Donc notre premier objectif, à moyen terme, est de rétablir la solidité financière du groupe. Et pour rétablir la solidité financière du groupe, il faut pouvoir réinvestir un maximum de capitaux et de cash qui est généré dans nos opérations en interne, dans le développement de nouvelles activités, le développement de nouveaux véhicules, etc., plutôt que d'aller sortir du cash du périmètre du groupe pour rémunérer l'actionnariat. Donc, et évidemment, le cours de l'action et puis la rémunération de notre actionnariat est au cœur de nos préoccupations. Hein. Comme l'a dit Jean-Dominique, nous ne sommes évidemment pas satisfaits avec le cours actuel. Cela dit, la priorité, c'est bien de renforcer la solidité financière du groupe à court terme, de revenir à une notation qu'on appelle investment grade auprès des agences de notation. Et ça, quelque part, c'est l'inverse de ce qu'on fait quand on rachète des actions avec le cash du groupe. Alors après, sur les rachats d'actions qui ont eu lieu sur les années passées, il y a eu principalement
des rachats d'actions qui ont été liés au plan d'actionnariat salarié et aux actions de bonus qu'on a évoqué précédemment. Dans le cas de l'année 2022, nous avons mis en place ce qui s'appelle un contrat de liquidité avec une banque externe qui a pour but de limiter la volatilité du cours de bourse en donnant la capacité à un établissement bancaire de faire des opérations en notre nom sur des titres Renault. Donc c'est quelque chose que nous avons mis en place l'année dernière. La plupart des entreprises du CAC 40 procèdent de la même manière. L'avantage, à nouveau, c'est d'éviter la volatilité. Et donc ça explique que le niveau de rachat d'actions sur 2022 ait été supérieur à la normale. Sur 2023-2024, à nouveau, l'utilisation principale, ça sera l'actionnariat salarié. Voilà, je crois que c'est très clair. Merci beaucoup pour tous ces éléments. Alors, je vais recentrer, si je puis dire, mes questions et je vais prendre le panneau numéro 2. Ah, très bien, oui. Merci beaucoup pour vos présentations. Je suis représentant de l'ANAF, l'Association des actionnaires français individuels. Alors, j'avais plusieurs questions rapides à vous poser, si vous me permettez. D'une part, je voulais savoir quelle était, en termes d'avenir de l'industrie automobile en France, la position de Renault concernant la décision prise le 14 février, je crois, 2023, par le Parlement européen d'interdire toute motorisation thermique pour la production de nouveaux véhicules à partir de 2035. Point important. Deuxièmement, je voulais également savoir quelles étaient la vérité, est-ce que c'est une réalité de marché ou plutôt un mythe, cette déferlante de véhicules électriques chinois qu'on nous annonce pour à partir du premier trimestre 2023, voire même l'année précédente, mais chaque fois, si vous voulez, c'est une information qui est relayée par les médias de façon assez régulière. Ensuite, j'aurais aimé savoir, vous parliez de recyclage de batteries dans le domaine avec votre investissement dans Future is l'avenir est durable, je crois. Qu'en est-il de votre principale source d'approvisionnement pour les véhicules électriques, qui constituent quand même l'avenir, de batteries électriques, donc. Également, un dernier point, j'ai relevé dans les documents, et vous insistez beaucoup, c'est un des chiffres clés des performances de l'année 2022, la marge opérationnelle et le free cash flow. Le fameux free cash flow de 2 milliards 112, je crois, 1 112 milliards d'euros en 2022. Et alors, vous partez du résultat net de l'activité automobile, activité poursuivie, qui était en 2022 de 1 745 millions, et vous descendez par la suite au niveau du cash flow. Pour après, compte tenu des investissements réalisés en 2022, c'est-à-dire à peu près 2 milliards 2, je crois, d'euros nets, il y a eu 400 millions d'euros de mémoire de cession, vous arrivez à un total donc de 2,119 milliards d'euros. Et ça, ce sont donc les activités automobiles poursuivies. Et je voulais savoir quelle était l'incidence des flux des activités interrompues, puisqu'on a quand même un résultat net de 2,3 milliards d'euros négatifs pour les activités interrompues en 2022. J'imagine que tout se concentre à peu près sur la Russie, l'arrêt de vos activités en Russie. Voilà, écoutez, merci, je vous remercie. Merci par avance de vos réponses. Alors, merci de la question, ou des questions. Alors, peut-être le directeur financier répond sur les dernières, là, et Luca prend le relais. Oui. D'accord. Oui. Ok, donc Thierry. Alors sur le free cash flow, en fait, donc ce que vous avez décrit est parfaitement exact. Donc on part du résultat net des activités poursuivies, on corrige des éléments de dépenses et de recettes non cash, notamment des amortissements, etc. On déduit les investissements nets qui ont été faits, on rajoute le produit des cessions d'activité, et ensuite il y a la variation du besoin en fonds de roulement. Tout ceci sur le périmètre des activités qui sont continues. Et effectivement, on arrive à 2,1 milliards de recettes, quelque part, de cash générés sur 2022. Sur les 2,3 milliards de résultats nets sur les activités discontinuées, en fait,
l'élément principal, c'est un impairment, donc un write-off des actifs que nous avions en Russie. Donc en fait, c'est une charge non cash. Donc il y a en fait très peu d'impact cash de la cession des activités sur la Russie. Si vous regardez la variation de l'endettement financier net de l'auto, à droite du free cash flow, il y a de mémoire à peu près 165 millions de flux négatifs sur les activités discontinuées, c'est tout. Donc ce gros élément de 2,3 milliards est non cash, en fait ça correspond à la dépréciation des actifs corporels et incorporels que nous détenions en Russie. Bon, je vais essayer de répondre rapidement à des questions que vous disiez étaient rapides et courtes, mais en fait, vous m'avez demandé sur qu'est-ce que je pense de l'avenir de l'automobile à 2035, le rôle de la Chine. Donc, c'est des grandes questions. On aurait besoin de plus de temps. En fait, sur le 2035, nous, on avait poussé pour que, en fait, cette échéance se soit en 2040, parce qu'on considère que c'était trop tôt. Finalement, les autorités européennes ont acté qu'en Europe, ça va être 2035. Nous, on ne fait pas les règles. Il faut seulement qu'on s'adapte. Parce que je pense, je peux vous le dire en privé, mais 2035, on considère que c'est un gros challenge, mais il faut qu'on s'adapte. C'est pour ça qu'il faut aller pousser sur l'électrique, parce que c'est la technologie que, de la façon comme les règles sont construites, nous permettra d'avancer le plus vite à la décarbonation totale de notre flotte. On disait avant de l'opportunité qui est ouverte avec les nouveaux carburants, notamment ils appellent e-fuel. Ça, c'est, je pense que c'est une bonne nouvelle, parce que ça donne un peu une ouverture sur ça, mais bon, on n'a pas de choix, il faut qu'on le fasse. Et d'ailleurs, il faut savoir que l'Europe, c'est la seule région sur la planète où on a un objectif qui est si sévère et si rapide et qui se centre sur une seule technologie. Bon, donc il faut faire avec. Le thème de la Chine, c'est un thème sérieux. Le potentiel que les constructeurs chinois, notamment sur le segment de l'électrique, ont est important. Je pense que nous, on pourra répondre technologiquement, on pourra faire des voitures au niveau de ce que font les Chinois sur l'électrique. C'est une question de temps. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la Chine s'est mise à l'électrique, je dirais, une génération avant les Européens. Et ils ont bien, comme ils savent le faire très bien, ils ont bien organisé la présence et le contrôle de toute la chaîne de la valeur à partir du sourcing des matières premières jusqu'à au fait qu'ils dominent complètement le raffinement des matières, à l'installation de la capacité de production des batteries, au fait qu'ils ont mis des infrastructures en place et ils ont boosté le marché qui maintenant a 6 ou 7 millions de voitures en demande interne chinoise, alors qu'en Europe a 1 million. Donc il est parti avant. Je pense que nous, ce qu'on demande, c'est un peu plus de temps, okay, que dans cette phase de décollage, on puisse être d'une certaine façon protégé d'une éventuelle compétition qui nous mettrait en difficulté au début, pendant qu'on est dans une phase de décollage. Et moi, je pense personnellement qu'il faut qu'on trouve des conditions de équilibrage de la compétition. Les Anglais parlent de level playing field. Donc, nous, quand les Européens sont allés en Chine, ils sont allés à certaines conditions. OK, ça a marché. On a tous profité, même, je pense, le client chinois. La façon comme l'ouverture se fera à l'importation de voitures chinoises en Europe doit être similaire aux règles auxquelles on a été soumis quand on est là-bas. Mais c'est certainement, ils ont un bon avantage, ils savent faire des voitures, c'est des produits intéressants, il y a un certain contrôle de tout l'écosystème qui est déjà en place. Sur la partie du recyclage, j'en ai déjà parlé un peu au début, pour arriver au point, en fait, sur le recyclage, nous, on a, chez Renault, là, un avantage,
c'est qu'on a commencé à faire des voitures électriques il y a 10 ans. Et donc, parmi tous les constructeurs, on peut profiter du fait que les batteries des Zoé, des voitures qu'on a fait, des Fluence qu'on a fait il y a 10 ans, elles commencent à revenir dans le cycle. Parce qu'une batterie, ça dure 10-15 ans. Et donc, on voit déjà, alors que les autres voient arriver peut-être quelques centaines de batteries, nous, on va arriver dans les prochaines années des milliers de batteries par an. Mais ça va peut-être vous surprendre. En fait, en termes de recyclage, une des sources plus importantes de matière pour pouvoir les réinjecter dans le système va venir des déchets qui sont faits, du produit qui est écarté dans la production des nouvelles batteries sur les gigafactories qu'on est en train de monter. Parce qu'une des choses que peut-être les gens ne savent pas, c'est que avant d'arriver à des niveaux de, comme on appelle, de scrap, donc de écart, de déchets, qui se comptent en pourcentage sur les doigts d'une main, il faut des années. Mais au début, il y a beaucoup de batteries qui en fait ne sont pas au niveau de qualité, donc elles sont écartées dans la production. Ces matières-là sont remises dans le cycle. Et nous, on est en train d'organiser avec nos fournisseurs. D'ailleurs, on implante 2 gigafactories en France, une à Douai avec Envision AESC et l'autre avec Vercor à Dunkerque. Donc, on est en train d'organiser tout le flux et je pense que Renault aura certainement un avantage sur ça. Vous m'avez, dans votre troisième question, demandé comment s'approvisionne des batteries. Je pense qu'on a 3 sources en ce moment qui sont importantes. 2, je l'ai déjà mentionné. Et la troisième, c'est une relation historique qu'on a avec nos amis de LG coréens, qu'on a fait il y a 15 ans, rentrer dans le secteur de l'automobile et avec lesquels on a une collaboration très importante. Donc, je pense que ça résume un peu comment je peux le faire rapidement, le sens de vos questions. Oui, merci. Je crois que ça répond bien aux choses. Je ne vous cache pas d'ailleurs que cette question chinoise ne nous surprend pas. Je crois me souvenir que lors de la première Assemblée Générale que j'ai eu l'honneur de présider ici comme président de Renault, j'avais évoqué cette question du risque de l'industrie chinoise par rapport à la nôtre. À l'époque, j'étais un petit peu seul, mais il faut dire que j'avais été vacciné parce que j'avais appris lorsque je dirigeais un groupe de pneumatiques français que vous connaissez. Voilà, donc ce n'est pas une surprise, simplement c'est vrai qu'avant de prendre cette décision en Europe, il aurait peut-être été utile que l'analyse d'impact sur les risques de dépendance que cette décision provoquait, il aurait été utile que cette analyse d'impact soit plus élaborée. Je vais dire ça comme ça. Les choses étant ce qu'elles sont, Luca a raison, nous allons faire en sorte que nous appliquions la réglementation. Après, je peux vous dire, je pense qu'on en a vu, on a vu d'abord les Américains, puis on a vu les Japonais venir en Europe, puis les Coréens, on est encore là. Ça s'appelle compétition, voilà. Ça. Donc, voilà, alors, donc, c'est voilà. Ça. Voilà. On a l'habitude de réagir. Donc je pense qu'en général, on ne pourra pas complètement faire à moins de la valeur des produits de la technologie que la Chine crée, notamment dans le monde électrique. Et donc voilà, il faudra apprendre à se battre et à faire des voitures qui sont mieux, plus compétitives. Voilà, je vais continuer à mon tour. Alors peut-être le panneau numéro 1, parce qu'il nous reste encore un peu de temps. Alors on va essayer de prendre le plus de questions possible. Oui. Mais si la question est courte, la réponse sera courte. Je vais essayer de la faire courte. Voilà. Michel Coudrat, actionnaire individuel. J'ai du mal à comprendre ce que vous allez faire à propos des actions qui vont être attribuées aux salariés ou au directeur général. Ou bien on crée des actions pour l'occasion et puis ça pénalise les actionnaires anciens. Ou bien on achète sur le marché et peut-être avec des résolutions des années passées qui ne sont pas encore complètement utilisées. Ou vous avez évoqué aussi là cette possibilité avec... les mécanismes pour essayer de régulariser le cours de l'action. Ça, c'est un mécanisme que j'ai connu, moi, dans une grande banque il y a déjà 50 ans. Et
Donc je voudrais comprendre un petit peu comment vous allez, je dirais, vous dépatouiller cette année avec ce problème. Bien Thierry. En fait, merci pour la question. En fait, on n'émet pas de nouvelles actions, car ça diluerait les autres actionnaires. Donc on rachète des actions sur le marché. Chaque année, au cours de cette AG, on vous demande l'autorisation de procéder à des rachats d'actions avec une délégation qui est donnée au conseil d'administration qui sous-délègue à l'équipe de direction. Et on va sur le marché, on achète des actions pour un volume qui nous paraît être le volume nécessaire pour couvrir les actions qui vont être données dans le cadre de l'actionnariat salarié. C'est aussi simple que ça. Voilà, c'est clair. Oui. Donc ce que je voudrais aussi à cette occasion, c'est que vous précisiez aux politiciens qui ont l'air de très mal comprendre les opérations d'achat d'actions, ce que vous faites et que c'est dans l'intérêt effectivement des salariés et de la société et pas pour engraisser les actionnaires. Non mais voilà, mais merci du point, mais je vous rassure tout de suite, la compréhension de l'État sur ce sujet par rapport à ce que nous faisons chez Renault est absolument, je dirais, tout à fait claire et parfaite. Hein. Il n'y a pas l'ombre d'un doute. Hein, voilà. Je le dis devant le représentant de l'État au conseil d'administration. Voilà. Bon, j'ai une question en ligne. Il faut que je puisse honorer ces questions. L'IPO d'Ampère étant prévu pour fin 2023, début 2024, pardon, quel impact pour les actionnaires Renault de cette offre publique ? De mémoire, le groupe Volkswagen a réalisé l'IPO de Porsche. Le cours de Porsche se sont envolés, mais ceux de Volkswagen sont restés dans les mêmes niveaux pré-IPO. La question est posée par M. Fabio Oliveira. Luca, est-ce que je laisse le directeur financier ? Oui. Ah ben, c'est bien. D'accord. On l'a eu déjà plusieurs fois. Mais, merci pour la question. En fait, notre objectif avec Ampère, c'est de créer une franchise électrique qui soit la plus performante possible. Donc, la première étape pour ce faire, c'est d'en faire une activité séparée avec des gens qui ne pensent qu'à l'électrique du matin jusqu'au soir, avec une spécialisation autour de la chaîne de valeur de l'électrique, du software, etc. Donc, la première étape, c'est de créer une activité qui est dédiée avec toutes les chances de son côté d'un point de vue des ressources. Alors avoir toutes les chances de son côté du point de vue des ressources, ça veut aussi dire avoir accès à du capital. Donc on peut tirer sur les ressources du groupe. Et j'ai évoqué un petit peu plus tôt aujourd'hui le fait que notre objectif aujourd'hui, c'est plutôt de renforcer le bilan du groupe et d'en augmenter la santé financière. Ou on peut faire appel au marché. Si on fait appel au marché, on se donne une opportunité d'injecter des ressources supplémentaires pour développer cette activité sans tirer sur les réserves de liquidité du groupe. L'avantage pour l'actionnaire de Renault, c'est qu'en fait, en faisant ceci, on permet à Ampère de se développer plus facilement, de croître plus rapidement, de développer plus de produits, de mieux intégrer la chaîne de valeur. Donc en fait, si je suis un actionnaire de Renault, je dois voir l'IPO potentiel d'Ampère comme un levier qui va améliorer la performance d'Ampère et du coup la performance du groupe dans son ensemble. Donc il faut être très clair, c'est pour ça qu'on le fait. On fait cette opération-là pour mettre toutes les chances du côté d'Ampère. Et Ampère devient une partie très significative de l'opération du groupe puisque nous avons émis l'objectif d'être 100% électrique à l'horizon de 2030 sur les véhicules à particuliers. Et c'est Ampère qui apportera cette contribution. Donc voilà, il faut le voir comme un accès à du cash supplémentaire pour développer une activité qui est clé pour l'avenir du groupe en général. Voilà, merci Thierry, c'est extrêmement clair. Alors il nous reste quelques minutes, je vais essayer d'aller dans une zone où j'ai peu été. Alors peut-être le panneau 2. Et puis, si nous avons le temps pour une dernière, je verrai en fonction des mais je veux pas. Oui, bonjour, Vincent Augrin, actionnaire et salarié. C'était dans la continuation de la question de Fabio. Avec des mots de tous les jours, une question de néophyte. Pour Ampère, pour habiller Ampère et mettre sur le marché, vous prenez quand même des ressources, des usines dans Renault. Est-ce que l'actionnaire Renault peut se retrouver lésé
Et si oui, quel mécanisme pour le protéger? J'ai mis moins d'une minute. Merci, c'est remarquable. Je poursuis ma réponse. En fait, d'abord, il n'est pas question d'ouvrir le capital de façon à ce que Renault perde la majorité. Donc on conservera, le groupe Renault, si l'IPO a lieu, conservera une forte majorité. Et donc c'est, l'activité d'Ampère continuera à être consolidée dans les comptes du groupe, dans son ensemble. Ça restera quelque part une filiale de Renault dans laquelle il y aura des minoritaires. À nouveau, il faut le voir ça comme une possibilité qui est donnée à Ampère en ayant accès à des capitaux externes de se développer plus vite. Donc quelque part, le choix, sont des chiffres au hasard, hein, faut pas prendre mes chiffres, les chiffres que je vais vous donner comme une orientation de ce que nous voulons faire, mais il vaut mieux être actionnaire à 75% de quelque chose qui fait 2 milliards par an que d'être actionnaire à 100% de quelque chose qui fait 0,5 à 1 milliard. Okay ? Donc la dynamique, c'est bien ça, c'est de mettre toutes les chances de notre côté pour développer une activité qui est clé pour l'actionnaire de Renault. Alors, je crois que c'est clair et vous pouvez être absolument certain que votre conseil qui a en charge l'intérêt social du groupe Renault, que va peut-être rejoindre Luca d'ailleurs, aura à cœur de veiller à ce que les intérêts de Renault soient totalement préservés. Voilà, je vous le dis, ça serait un aspect important de l'année qui vient et de la suite des événements. Je peux dire une chose? Tu peux dire un mot, bien sûr. Je pense que je regarde au thème d'Ampère de l'autre côté, c'est-à-dire stratégiquement, quelles sont les motivations industrielles. Thierry l'a déjà dit, l'électrique et le software, parce que c'est la combinaison des deux, c'est des sports différents. Ils ont des cycles différents, la chaîne de la valeur est différente, etc. Qu'est-ce qu'on prend de Renault? Okay. Et qu'est-ce qu'on met dans Ampère? On met Douai, qui n'avait malheureusement pas trop de futur. Une fois qu'on avait annoncé, qu'on avait dans le cycle précédent, on avait mis 6 ou 7 modèles qui devaient faire 300 000 voitures. On n'a jamais vendu plus de 70 000. Donc le truc, il était vide. Okay. On met Ruiz, qui faisait des boîtes pour des moteurs à combustion. Et maintenant, ils vont faire des boîtes pour mettre des batteries. On met Cléon, qui était une usine qui faisait des moteurs à combustion. On fait le deal avec Valeo pour en faire la plus grande usine de moteurs électriques en Europe. Okay ? Donc en fait, on a pris, c'est vrai, du groupe Renault, mais on a redonné un futur à beaucoup de sites à travers toute l'histoire d'Ampère. Je vous rappelle qu'on a été capable d'attirer deux entreprises pour faire 2 gigafactories dans le nord de la France. Okay. On a fait une estimation à un moment donné, l'opération nord de la France autour de l'électricité et autour d'Ampère, ça fait des investissements induits, pas par Renault, mais par tout l'écosystème avec les fournisseurs, de 20 milliards d'euros. Est-ce que vous pensez qu'on est en train d'enlever Renault ou on est en train de redonner à la France son industrie d'automobile? Moi, je pense que c'est plutôt la deuxième option. Parce qu'on a eu... On est en train d'avoir le courage de comprendre que ça, c'est le futur, et on y va, et on essaye d'être un leader. Et il faut se spécialiser. C'est comme quand tu changes de sport, il faut t'entraîner tous les jours, tous les jours, tous les jours, et améliorer la performance. C'est ça, Ampère. C'est aussi simple que ça. Donc, je n'ai pas la sensation qu'on enlève à Renault, mais pas du tout, au contraire. Et à l'écosystème. Et clair. Je crois qu'on approche la fin des questions. Je suis un peu désolé, je vais peut-être en prendre une dernière. Pour ceux qui sont peut-être frustrés de n'avoir pas pu poser des questions, et merci parce que ce débat est incroyablement riche. Je sais que tout le monde peut poser les questions et l'équipe saura y répondre. Je crois que c'est facile de la joindre. Donc je vous en prie, n'hésitez pas à la poser par écrit et puis on y répondra. Alors je vais prendre le panneau 4 et on va s'en terminer là. Jean-Pierre Dufour, ancien salarié Renault et actionnaire. Ma question a eu une partie de réponse avec Ampère, parce que c'était sur les conséquences sur nos actions des changements d'organisation que vous proposez. En simple, est-ce que c'était une augmentation de capital ou une dilution pour nos actions?
Donc j'ai entendu votre réponse. OK. La deuxième partie de la question, c'est pour Ors. J'ai vu sur le slide que vous avez présenté qu'elle n'était plus chapeautée par Renault Group. Est-ce que ça sous-entend un avenir à moyen terme différent? Est-ce que ça veut dire que les comptes de Ors ne seraient plus consolidés par Renault? Pourriez-vous nous donner quelques explications? Merci. Voilà. OK. Alors effectivement, la différence entre Ampère et Ors, c'est que sur du côté des activités thermiques, de moteurs et de boîtes de vitesse thermiques, donc celles qui sont hors de France, qui sont transférées à Ors, on crée une co-entreprise avec Geely et Aramco, dans laquelle on ne sera plus majoritaire. Donc en fait, cette entreprise sera déconsolidée. Okay. Donc en fait, ce que l'on fait, c'est qu'on crée un équipementier avec une masse critique très importante, qui deviendra un fournisseur de Renault et de 7 autres entreprises. Donc on prend des actifs qui étaient dédiés à la fabrication de moteurs à combustion et de boîtes de vitesse, qui avaient un avenir parfois incertain, qui n'avaient probablement pas la masse critique à long terme en étant conservés de manière seule. On joint ces actifs avec ceux de Geely, et on crée un équipementier qui va avoir des opérations industrielles dans 19 pays, une gamme de moteurs qui couvre l'ensemble des segments de puissance, des clients partout dans le monde, et dans le cas de Ors, 8 clients au total, donc 7 clients en plus de Renault. Donc on en fait une activité qui va avoir un avenir à long terme. Et en plus, ce faisant, les synergies que l'on crée d'un point de vue des achats, d'un point de vue du développement, etc., sont telles que, en fait, on va payer les moteurs moins chers que quand on les fabriquait en interne pour Renault. Donc pour l'actionnaire de Renault, c'est aussi un bénéfice, parce que finalement, ça fait baisser notre structure de coûts. Par ailleurs, on reste fortement actionnaire dans une société qui va structurellement faire des bénéfices et générer du cash sur le long terme. Donc on reste actionnaire d'une société qui va potentiellement distribuer des dividendes à l'avenir. Donc pour résumer, on prend une activité, enfin on prend un certain nombre d'actifs qui seuls pouvaient se poser des questions sur leur avenir, et on en crée une société qui a une substance et un avenir sur le long terme, avec un partenaire externe qui a des compétences qui sont très importantes pour nous, et en plus un partenaire financier et technologique dans le cas d'Aramco, qui va nous permettre de développer cette activité, puisque c'est quelqu'un qui évidemment a tout intérêt à faire en sorte qu'on puisse continuer à produire des véhicules thermiques les plus propres possibles et les plus efficaces possibles sur le long terme. Donc voilà ce qu'on est en train de faire. Et un pacte d'actionnariat qui protège énormément la position de Renault, où donc en fait rien ne peut être décidé si Renault ne le veut pas sur les thèmes plus stratégiques. Et je pense que ça, il faut aussi le dire, c'est évidemment la négociation qu'on est en train d'avoir avec nos potentiels partenaires. Voilà. Par exemple, le plan. L'importance de Renault dans Ors, en fait, il se trouve que aujourd'hui, dans 50. C'est très équilibré, ouais. et que donc les actifs qui sont apportés par Geely et apportés par Renault, ainsi que les perspectives de part et d'autre, font que la valorisation des deux entreprises est quasiment égale. Donc on met en place un partenariat qui est vraiment à 50-50, hormis Aramco qui vient injecter des fonds séparément. Entre Geely et nous, on a réellement... Geely-Volvo et nous, on a réellement une situation où on est à 50-50 entre les deux entreprises, donc il y a un intérêt commun à développer les deux activités en parallèle. Voilà, je crois que ça répond à bien votre question. Et le point supplémentaire, c'est de bien comprendre que cette activité va révéler une valeur très significative par rapport à la situation actuelle où chacun a le sentiment que cette activité n'en a pas. J'en dis pas plus, mais je pense que vous serez heureux en tant qu'actionnaire de Renault de constater ça dans les mois qui viennent.
Voilà, je vous remercie beaucoup. C'était très, très riche et franchement de très haut niveau. Donc, je remercie mille fois pour toutes ces questions. La séance est maintenant terminée s'agissant des questions-réponses et nous allons passer à la présentation et au vote des résolutions. Et pour tout ça, je vais passer d'abord la parole à Kitrit Belport. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les actionnaires, la présente Assemblée est appelée à délibérer sur 17 résolutions, dont 16 à caractère ordinaire et une à caractère extraordinaire. Avant de vous présenter chacune des résolutions et de passer au vote, je vous informe que le total des titres détenus par les actionnaires présents ou représentés s'élève à 159 719 428 actions, ayant le droit de vote en composition ordinaire, représentant 64,47%, et à 159 719 428 actions, soit 64,47% des actions ayant le droit de vote en composition extraordinaire. Le quorum requis pour la validité des délibérations de l'Assemblée ordinaire comme extraordinaire est donc atteint. Je vous rappelle également que, conformément à l'accord de gouvernance du 4 février 2016, les votes de l'État font l'objet d'un plafonnement en fonction du niveau du quorum. Ainsi, les votes de l'État sont plafonnés à 17,9% des droits de vote pour l'ensemble des résolutions, à l'exception de la troisième résolution. Par conséquent, au-delà de ce seuil de plafonnement, les droits de vote de l'État français seront exercés de manière neutre, c'est-à-dire moitié pour et moitié contre pour les résolutions ordinaires, et deux tiers pour et un tiers contre pour la résolution extraordinaire. Je vous propose maintenant de regarder une vidéo de présentation de la procédure de fonctionnement du boîtier de vote. Mesdames et messieurs les actionnaires, le boîtier qui vous a été remis à l'issue de l'émargement est strictement personnel. Le nombre de voix que vous détenez et ou représentez est chargé dans le boîtier et affiché sur son écran. Vous n'aurez à utiliser que les touches vertes, jaunes et rouges. La touche verte correspond à un vote pour. La touche jaune correspond à un vote abstention. La touche rouge correspond à un vote contre. Après la lecture de chacune des résolutions, il sera immédiatement procédé à son vote et il sera déclaré « Le vote est ouvert ». À cet instant, vous apercevrez sur l'écran un rectangle vous indiquant le compte à rebours des secondes dont vous disposez pour voter. Lorsque le compte à rebours sera achevé, il sera déclaré « Le scrutin est clos » et il ne vous sera alors plus possible de voter. L'affichage des résultats s'effectuera sur l'écran de projection quelques instants après la clôture du scrutin. Dernière précision, merci de bien vouloir éteindre vos téléphones portables pendant la durée du vote et de restituer les boîtiers à la sortie de la salle. Si personne ne sollicite d'explications complémentaires, nous allons passer au vote des résolutions. Commençons tout d'abord par les résolutions à titre ordinaire. Première résolution. Elle a pour objet l'approbation des comptes annuels de l'exercice 2022, faisant ressortir un bénéfice de 363 637 277 euros et 74 centimes. Je vous rappelle qu'il s'agit ici du résultat de la société Renault SA et non du résultat consolidé du groupe Renault qui fait l'objet de la résolution suivante. Le vote est ouvert. Le vote est clos. Cette résolution est adoptée. La deuxième résolution a pour objet l'approbation des comptes consolidés de l'exercice 2022, faisant ressortir une perte de 699 655 850 euros et 46 centimes. Le vote est ouvert. Le vote est clos. Cette résolution est adoptée. La troisième résolution a pour objet l'affectation du résultat de l'exercice 2022 et la fixation du dividende. Il vous est proposé de fixer à 0,25 euros le montant du dividende qui sera distribué à chacune des actions de la société ayant droit au dividende au titre de l'exercice 2022, soit un montant global de 72 602 830 euros et 75 centimes.
Le solde du résultat de l'exercice sera affecté au poste de report à nouveau, dont le solde sera ainsi porté à 9 937 733 544,24 €. Le vote est ouvert. Le vote est clos. Cette résolution est adoptée. La quatrième résolution vous propose de prendre acte du rapport des commissaires aux comptes sur les éléments servant à déterminer le montant de la rémunération des titres participatifs. Le vote est ouvert. Le vote est clos. Cette résolution est adoptée. La cinquième résolution a pour objet de prendre acte des informations relatives aux conventions et engagements conclus et autorisés au cours d'exercices antérieurs et dont l'exécution a été poursuivie au cours de l'exercice 2022, tel que décrit dans le rapport des commissaires aux comptes, ainsi que l'absence de conclusion en 2022 de conventions ou d'engagements réglementés. Le vote est ouvert. Le vote est clos. Cette résolution est adoptée. La sixième résolution vous propose de renouveler le mandat d'administrateur de M. Jean-Dominique Sénard pour une durée de 4 ans. Je vous précise également que sous réserve de l'approbation de cette résolution, M. Sénard sera renouvelé en qualité de président du conseil d'administration à l'issue de cette assemblée générale. Le vote est ouvert. Le vote est clos. Cette résolution est adoptée. La septième résolution vous propose de renouveler le mandat d'administratrice de Mme Annette Vinclair pour une durée de 4 ans. Le vote est ouvert. Le vote est clos. Cette résolution est adoptée. La huitième résolution vous propose de nommer M. Luca De Meo en qualité d'administrateur pour une durée de 4 ans. Le vote est ouvert. Le vote est clos. Cette résolution est adoptée. Ça marche pas. La neuvième résolution soumet à votre approbation les informations relatives aux rémunérations versées au cours ou attribuées au titre de l'exercice 2022 à l'ensemble des mandataires sociaux. Le vote est ouvert. Le vote est clos. Cette résolution est adoptée. La dixième résolution soumet à votre approbation les éléments de rémunération versés au cours ou attribués au titre de l'exercice 2022 à M. Jean-Dominique Sénard, président du conseil d'administration. Le vote est ouvert. Le vote est clos. Cette résolution est adoptée. La onzième résolution soumet à votre approbation les éléments de rémunération versés au cours ou attribués au titre de l'exercice 2022 à M. Luca De Meo, directeur général. Le vote est ouvert. Le vote est clos. Cette résolution est adoptée. La douzième résolution a pour objet l'approbation de la politique de rémunération du président du conseil d'administration pour l'exercice 2023. Le vote est ouvert. Le vote est clos. Cette résolution est adoptée. La treizième résolution a pour objet l'approbation de la politique de rémunération du directeur général pour l'exercice 2023. Le vote est ouvert.
Le vote est clos. Cette résolution est adoptée. La 14e résolution a pour objet l'approbation de la politique de rémunération des administrateurs pour l'exercice 2023. Le vote est ouvert. Le vote est clos. Cette résolution est adoptée. La 15e résolution a pour objet d'autoriser le conseil d'administration à acheter et vendre des actions de la société pour une durée maximale de 18 mois et dans la limite de 10% du capital. Il s'agit de l'autorisation permettant à la société de mettre en œuvre son programme de rachat d'actions. Le vote est ouvert. Le vote est clos. Cette résolution est adoptée. La 16e résolution a pour objet d'autoriser le conseil d'administration à réduire le capital de la société par annulation d'actions pour une durée maximale de 18 mois et dans la limite de 10% du capital. Cette résolution est liée à la précédente résolution sur le programme de rachat d'actions. Le vote est ouvert. Le vote est clos. Cette résolution est adoptée. La 17e résolution a pour objet de donner les pouvoirs nécessaires pour accomplir les formalités légales requises à l'issue de cette assemblée. Le vote est ouvert. Le vote est clos. La résolution est adoptée. Nous allons remettre à l'écran la résolution numéro 8. Il y a eu un petit problème d'affichage au moment de l'affichage des résultats. Donc la résolution numéro 8, qui était une résolution importante sur la nomination de Luca en qualité d'administrateur, et qui a donc été adoptée. On peut peut-être passer la slide suivante pour les résultats du vote. Voilà, la résolution avait donc été adoptée. Super, voilà. Bravo. Bienvenue. Toutes les résolutions ont donc été soumises au vote. Les résultats détaillés des votes seront mis en ligne sur le site internet de la société. Et je redonne la parole à Monsieur le Président pour clôturer cette Assemblée générale. Bien, merci beaucoup, Kitri, et au nom de Luca, de ceux qui m'entourent, du conseil d'administration et de l'équipe dirigeante du groupe, je vous remercie infiniment pour vos votes et les résolutions qui vous étaient soumises. Je voudrais vous remercier encore pour votre présence, pour la qualité des questions et le sens des votes, évidemment. Et peut-être, si vous le voulez bien, un mot plus personnel pour finir, puisque vous avez décidé de renouveler mon mandat et la confiance que vous m'accordez, évidemment, m'honore et m'oblige. C'est avec beaucoup d'émotion que je veux vous remercier du fond du cœur. Peut-être pour vous dire que les 4 années que j'ai vécues à vos côtés ont été probablement parmi les années les plus passionnantes de ma vie professionnelle. Je pensais avoir tout vu et tout entendu. Je pensais avoir réalisé le rêve de tout dirigeant. Je pensais avoir traversé beaucoup de crises. Eh bien, j'avais tort. Ces 4 années, il faut vous le dire, n'ont pas été des plus tranquilles. Elles m'ont réservé des moments que je n'imaginais pas, dans la difficulté et dans la réussite. Ces 4 années m'ont offert des occasions d'échanges uniques avec le Conseil, avec Luca, avec les équipes, avec vous, chers actionnaires, et les dirigeants de l'Alliance, comme avec les différentes parties prenantes du groupe. Et ces années ont permis aux équipes de réaliser un redressement exceptionnel qui rend fier, je veux le redire ici, un redressement à la mesure des talents de cette formidable entreprise qu'est Renault, dont le cœur bat, vous le savez, si intensément. Alors évidemment, il reste beaucoup à accomplir. Mais je voudrais que vous soyez assurés que pour les années à venir, je donnerai toute l'énergie, toute la force de conviction qui me sera possible pour continuer à affronter les défis inédits qui sont devant nous et qui viendront, c'est sûr, et œuvrer pour que le groupe achève cette impressionnante reconquête. C'est le moins que je vous dois. C'est ce que je dois à votre confiance, c'est ce que je dois à Renault Group, qui a maintenant, je crois, toutes les cartes en main pour être aux avant-postes d'une industrie de la mobilité juste et durable. Mesdames, Messieurs les actionnaires,
Au nom du Conseil, je tiens à vous remercier encore. Cette assemblée est maintenant terminée. Plus rien n'est à l'ordre du jour.